faut que je retrouve cette petite vidéo qui apparemment est très très cool de The Great Review. J'ai regardé quelques-unes de ces vidéos à ce YouTuber, The Great Review. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve qu'il fait du bon taf. C'est de la vidéo scriptée avec voilà, juste simplement sa voix posée sur des images et tout, bien montée. Et le texte est assez pertinent de manière générale. Donc, bah vas-y, let's go. J'ai envie de regarder ça avec vous, là. On va se regarder ça comme petite vidéo de fin de soirée, là. Et je vous enverrai le lien, évidemment, vers sa chaîne juste après. Regardons ça ensemble. Donc, en gros, ça parle de la run Dark Souls la plus difficile ever, qui a été réalisée par Oldstarva, qui est un YouTuber hyper fort. La catégorie la plus prestigieuse est sans conteste la ABNH pour All Bosses No Hits, qui consiste à faire le jeu à 100%, boss optionnel et DLC inclus, sans jamais se faire toucher. Pas sans mourir, hein. Vous vous rendez compte, genre... Tu dois faire tous les jeux Dark Souls sans prendre un seul coup. À quel moment les gens sont assez ouf dans leur tête pour tenter ça et se dire que c'est sain? Surtout qu'ils essayent de le faire d'affilée, avec les trois jeux d'affilée. C'est pas genre, bon, c'est bon, on a fait le segment comme ça, c'est genre, ils font tout le jeu d'affilée comme ça. Et ensuite, ils font les trois jeux comme ça. C'est un truc de ouf. Sans être touché. La communauté des challenge runners n'étant pas en manque de talent, presque tout. C'est juste la run Dark Souls 2 là, mais rien que la run Dark Souls 2, c'est un coach. Moi je regardais un streamer qui faisait ça sur Dark Souls 2 beaucoup, mais sur les 3 en fait, il faisait ça sur les 3. C'est insane. C'est insane. Je sais pas si ça a déjà été fait d'arriver à faire tous les Souls, plus Sekiro, plus Bloodborne, en no hit. Je sais pas si c'est déjà fait. Ouais, il y en a qui ont déjà réussi. Putain, les mecs qui ont réussi ça en premier, mais les ouf quoi. Tous les jeux From Software ont été réussis en ABNH, mais plusieurs années après sa sortie, l'un d'entre eux résiste encore et toujours à l'envahisseur. Squeal Aquila est l'un des meilleurs challenge runners du monde. Ah bah c'est lui que je regarde. Que nous racontons, mais c'est sur son stream qu'elle débute. Un bel après-midi de printemps, l'un de ses viewers demande... Squeal Aquila, vachement chill à regarder ses streams. Le mec est trop posé, en même temps t'es obligé d'être posé hein, quand tu fais ça. Vraiment sympa. Sur le chat, à quand la All Bosses No Hit sur Dark Souls 2? Et la réponse de Squeal fuse immédiatement. Dark Souls 2, c'est impossible. Squeal est-il sûr de lui? Parle-t-il d'expérience? Il connaît probablement son affaire. Après tout, il est la première personne au monde à avoir réussi Dark Souls 3 et Bloodborne en ABNH. Seulement, parmi les milliers de viewers qui regardaient Squeal ce jour-là, on trouve Oddsdarva, un YouTuber qui passe le plus clair de son temps à faire l'idiot en PvP sur Dark Souls 3. Elles sont cool ces vidéos, Oddsdarva. Mais il n'a pas vraiment un profil de challenge runner. Pourtant, lorsqu'il entend la réponse de Squeal, il n'y voit ni une mise en garde, ni une tentative de découragement, juste un défi. Moi, quand j'ai commencé à regarder Oddsdarva, il montrait pas sa tête. Genre, j'avais vu le face reveal et tout. Il avait beaucoup de monde avant de commencer à montrer sa tête. Faut commencer par évaluer l'ampleur de la tâche. Dark Souls 2 avec ses DLC, c'est 41 boss par comparaison. 40 quoi ? 41 boss ? Putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il a 3 DLC ? 2 ? Non, il a 3 DLC Dark Souls 2. 41 boss. C'est 25. Putain, Dark Souls 3, c'est 25 boss avec les DLC. 26 boss Dark Souls 1 ? La vache. Demon's Souls, attends, 18 ? Il y a autant de boss dans Demon's Souls ? Ça, j'en souviens. 41 boss, c'est plus que Demon's Souls et Bloodborne ensemble. Pour arriver jusqu'à eux, il faut traverser 35 zones qui comptent parmi les niveaux les plus difficiles jamais designés par From Software. Ouais. Le ravin noir, par exemple, les statues sur ces murs crachent. Ah oui, ça crache des petits trucs de merde, c'est impossible à dodge des fois. Du poison, mais pas toutes les statues. Les flaques d'huile sur son sol abritent des bestioles cauchemardesques, mais pas toutes les flaques. Quant au malheureux qui passerait trop de temps à regarder les statues ou les flaques, il est rapidement boulotté par les vers qui sortent des crevasses. Et bon séjour, hein. Le bois de l'ombre est un autre lieu notable, c'est une forêt, les ennemis invisibles. Tellement de brouillard qu'y voir à un mètre est impossible, mais c'est également la demeure d'une armée de spectres transparents. Résultat, la mort peut être en train de vous courir droit dessus, et vous ne verriez qu'un léger scintillement sur la brume. Il y a dans le design des zones de ce jeu une fourberie assez spectaculaire. Même pour un Dark Souls. Ce monde est également parcouru par les esselés, un groupe de fantômes assez imprévisibles, susceptibles d'apparaître ou non à 19 endroits différents du jeu. Transformant alors un niveau qui doit être minutieusement parcouru. Quoi ? C'est quoi ça, les esselés ?
Attends, mais j'ai jamais vu ça, moi, en jouant Dark Souls 2. C'est dans l'édition scolaire of the First Sin, ça ? Mètre par mètre, en course-poursuite désespérée. Faire une Noit Run dans un jeu avec les esselés, ça veut dire avoir un plan de secours pour chacune de leurs 19 apparitions. Et garder ces 19 points rajout dans la scolaire. Alors même que les esselés sont relativement rares. Et au bout de tout ça, à la fin de la fin du dernier des DLC, Eleom Lois. La ville du givre, immense et labyrinthique, obligeant le joueur à l'explorer de fond en comble pour trouver les 4 chevaliers qui l'accompagneront dans la bataille finale. Sous ses airs de paisible cité endormie sous la glace, Eleom Lois est l'un des challenges les plus relevés jamais inventés par FromSoft. C'est un challenge de ouf, et surtout il y a des boss qui sont genre horribles. Enfin, les deux tigres là, ils sont trop chiants. La run pour aller aux deux tigres avec les cerfs, trop relou aussi. Eleom Lois, c'est rude comme DLC. C'est pas un DLC que j'ai kiffé tant que ça, honnêtement. C'était pas évident, Eleom Lois. Et pour le runner fatigué qui y débarque après 10 heures de jeu, c'est un cauchemar. En plus, l'entraînement débute. Il faut compter chaque ennemi de chaque zone, tracer des itinéraires, décider quels objets sont indispensables et comment les ramasser en prenant un minimum de risques. Combien d'attaques différentes ce boss a-t-il ? Change-t-il de comportement si on s'éloigne ? Quelle fenêtre d'esquive pour le chaque night. Ce sont des centaines de morts et des dizaines d'heures de travail pour obtenir les réponses à toutes ces questions pour un seul niveau ou pour un seul boss. 2 mois après le début de l'entraînement, Hotstar va tenter une run complète pour la première fois. Temps, 12 heures. Nombre de hits, 60. Pouah ! Incroyable pour un joueur ordinaire. Atrocement loin du but dans notre cas. Retour au travail. Le lac des imparfaits pose problème. Il s'agit d'une vaste étendue d'eau où habite... Trop chiant de cette zone. Un probable mélange entre une grenouille et un dinosaure. Les imparfaits peuvent courir plus vite que le joueur, attaquer à distance et leurs attaques à distance frappent en zone. Ils ont ruiné une Noit Run. Après de nombreuses morts sur le lac, Hotz et ses viewers réalisent que ce fameux lac, il est visible depuis les niveaux supérieurs de la cité. On se poste alors sur le pont pour noter les itinéraires des créatures et on les cartographie pour trouver la route qui permet de passer sans encombre. Nouvelle run, 31 hits. Le pont qui permet d'entrer dans la forteresse de fer est gardé par Denis, l'armurier. Après moult défaites face à son épée, il apparaît que la meilleure méthode consiste à sauter sur l'un des piliers qui soutiennent le pont en équilibre sur une corniche de quelques centimètres suspendue au-dessus d'un lac de lave. Et c'est là, caché derrière le pilier, que le joueur lance un sort de poison qui traverse lentement les pierres du pilier pour aller infecter Denis, le tuant à petit feu. Ah, trop chiant. Une méthode aussi improbable et retenue, c'est que chaque arme, chaque sort et chaque objet du jeu a déjà été essayé à cet endroit, sans succès. Nouvelle run, 14 hits. L'unique couloir qui mène au sommet de la tour de brume est gardé par un géant, aussi large que le couloir qu'il surveille. L'affronter dans un lieu aussi étriqué, c'est perdre à coup sûr, mais... En attirant son attention d'une flèche bien tirée, le joueur peut alors le gardien contourner. Une fois derrière, il faut encore activer le levier qui ouvre la grille, mais des épaules du géant coulent de la lave. Oh ! Il s'écoule entre 2 jets de lave, presque exactement le temps nécessaire pour ouvrir la porte. C'est le timing ouf. Doit être parfait. Ah, oh, c'est ouf, putain ! Ouais, c'est tellement calculé à rien. 5. Tu sais, c'est comme si les devs avaient fait exprès pour que ce soit faisable, mais que ce soit genre quasi impossible. Mais non, ils ont pas fait exprès, c'est ouf. C'est pas beaucoup, 5 hits. À partir de là, Hotz se met à relancer la partie à chaque fois qu'il fait une erreur. Il a quitté la phase où il veut juste s'entraîner. Maintenant, il court après la run. C'est également l'époque où sa chaîne Twitch expérimente un des phénomènes les plus magiques de la plateforme. Un courant qui unit streamers et viewers pour faire tomber les records et réaliser l'impossible. La hype. Tant que la run est prometteuse, personne va se coucher. Le viewer qui devait sortir retrouver ses potes annule son rendez-vous. Et le streamer, appartenant à la même commu, met son live en pause. Et... En vrai, ça doit être ouf comme expérience. Le côté, tu fais un challenge de dingue. Et c'est tellement genre hardcore et tout le monde est... Tu sais, tout le monde est derrière toi, tout le monde est sur le chat et à fond. Et t'encourage et tout. Et veut voir si tu vas y arriver. Ça, c'est trop bien quand même. Oui, voilà. Non, c'est incroyable, je trouve, comme ambiance. Le côté, tu sais, tout le monde est... Tout le monde sur le stream est en mode, ils suivent la run et personne bouge tant que la run n'est pas complétée ou qu'il n'y ait pas eu l'accident qui a terminé la run. Ça doit être vraiment trop bien comme ambiance sur le live. Ça doit être trop cool. Et pour le coup, je pense que ça me plairait de ouf ce genre de sentiment. Mais il faut que ça vaille le coup. En fait, ça vient au prix d'un sacrifice énorme qui est que ton stream, c'est ça, quoi. Et t'es à fond dedans, tu fais pas autre chose, quoi. C'est ça le truc. Le viewer qui devait sortir retrouver ses potes annule son rendez-vous. Et le streamer, appartenant à la même commu, met son live en pause et vient host la tentative. Tout le monde veut être là quand ce sera la bonne. Tout le monde veut voir la run de ses propres. Vas-tu en faire une de no hit ? Oh, c'est mort. Non, une no hit.
On va jouer à Elden Ring déjà et on va voir ce qui est faisable sur Elden Ring, d'accord ? On verra. On verra. Mais j'ai absolument pas la... je pense pas avoir l'envie de tryhard quelque chose comme ça. Genre, moi, si je tryhard un truc, c'est plus, ça va plus être sur du PVP ça, plutôt que du speedrun. Aux yeux. Hot dépassait quasiment jamais les 200 viewers. Soudain, ses lives commencent à 600 et montent rapidement jusqu'à 1000. La run n'est même pas encore réussie et elle a déjà quintuplé son audience. Vient le 7 septembre 2018. Nous sommes à 4 mois d'entraînement et ce jour-là, aucun boss n'est trop rapide. Le mec, pendant 4 mois, il s'est farci Dark Souls 2 en boucle à essayer de pas mourir. Quel cauchemar. Genre, putain quoi. Le 2 en plus. Le moins agréable de tous. Putain. Aucun ennemi n'est oublié, pas un seul faux pas n'est commis. Et après presque 12 heures de live, Hotz se retrouve face à l'ultime épreuve du jeu. Ah oui. Sur Discord, comme sur Twitch, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et c'est devant plus de 5000 viewers qu'Hotzdarva s'avance face au roi d'Ivoire. Quel enfer le roi d'Ivoire. Le roi d'Ivoire est tout sauf un dernier boss facile. Il est précédé par un combat long et épuisant face à ses sbires. De l'endurance. Lui-même dans l'arène, ses attaques sont ridiculement. L'entrée de ce boss, elle est tellement insane. Genre, l'arrivée du boss est tellement épique. C'est genre gros fight avec des chevaliers dans tous les sens. Genre, chevaliers, tes alliés et les chevaliers noirs corrompus. Genre, gros fight comme ça. Et après, t'as l'arrivée du boss en mode flamme des enfers, le portail qui s'ouvre. C'est trop, trop stylé. L'entrée est trop classe. C'est à cet instant, le runner se. C'est Sauron, ouais, l'entrée, ouais. Mais c'est vrai qu'il a un peu la silhouette de Sauron en plus. De jouer correctement, la manette lui glisse des mains à cause de la transpiration et malgré le bruit assourdissant du combat, il n'entend rien d'autre que les battements de son cœur. Se battre contre ses nerfs, c'est par exemple ne pas oublier que si on s'éloigne trop du roi, celui-ci utilise sa plus terrible attaque. Une charge, le seul de ses coups, qui ne part pas toujours à la même vitesse. N'importe quelle autre attaque, Hotz sait quand appuyer sur le bouton d'esquive. Mais si la charge arrive, il doit choisir entre esquiver à l'instinct ou esquiver au réflexe. Et vu la vitesse à laquelle elle part, aucune de ces deux options n'est très attirante. Et comme Dark Souls 2 est absolument sans pitié, alors que le roi est à deux coups de mourir, Hotz fait un unique pas en arrière. Et c'est suffisant pour déclencher la charge. Oh la vache. And my heart stops, because I know what's coming. In that instant, in my mind, I'm thinking, there are 5,000 people watching me. Don't fuck this up. Non. Après 11h53, à pas se faire toucher. Et le mec, c'est un monstre. Le gars, sa réaction, c'est... Ça, c'est genre... Ma réaction quand je mourais pour la 8e fois sur Einstein et Smaug et que dans ma tête, je me disais que je me contrôlais. Là, le type, il s'est farci 12 heures de Dark Souls 2, des mois d'entraînement, il y est presque et il est en mode... Petit soupir. Quel fou, quoi. La force mentale du mec. Légende. Hotz a-t-il réessayé le lendemain ? Non. Il a compilé ses tentatives, fait un joli montage, publié le tout sur YouTube et il n'a plus parlé de la run. Quelques mois plus tard, il a arrêté là. Chaîne Twitch, qui rappelle qu'il était à un coup d'une première mondiale, c'est l'occasionnel viewer qui débarque en demandant Dark Souls 2 pour quand ? Au fond, notre runner n'est pas satisfait, mais il n'est pas encore prêt à se l'admettre. Il vit 5 mois loin du jeu, streamant du PUBG, du Dead by Daylight, répétant à ceux qui insistent qu'il est déjà content d'avoir pu aller aussi loin. Mais le problème quand on meurt à deux coups de la faim, c'est non seulement qu'on rentre bredouille, mais surtout qu'on a montré au reste du monde qu'en fait cette run est faisable. Bah oui. La gloire est à portée de main. Et le reste du monde n'a pas eu besoin qu'on lui dise deux fois. Et puis surtout, l'image que tu laisses, c'est genre, t'as essayé, t'y étais presque et t'as give up quoi. C'est trop chiant quoi. Genre, dans ta tête, tu te dis « Putain, c'est nul !» Genre, ça devait le ronger, en vrai. Le monde entier utilise les routes et les stratégies d'Hotzdarva pour tenter d'atteindre la All Bosses No Hit sur Dark Souls 2. Mmh. En février 2019, la nouvelle tombe. L'un de ses runners vient de finir le jeu avec 4 hits. La détente, c'est sympa, mais personne n'est prêt à faire autant de sacrifices pour se laisser shipper la première place. Alors, pour Hotz, les vacances sont terminées. Ce qui est ouf, c'est qu'il s'est passé plusieurs mois, plusieurs semaines
les gens avaient vu la run d'Odsdarva, donc le gars, il a montré comment faire. Personne n'a réussi, quoi. Ça, c'est ouf, je trouve, aussi. Avec son retour, la hype saisit de nouveau la communauté. Alors qu'il gravite d'habitude autour de 300 joueurs, Odds débute ses entraînements avec 1000 spectateurs qui deviennent rapidement 2000 s'il ne meurt pas pendant les premières heures. La première tentative avait été effectuée avec sérieux et enthousiasme. Ouais, y a pas que la route, seconde, c'est sûr. Le sera avec la discipline de skill, fer d'un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Odsdarva change son hygiène de vie. Il mange sainement, dort minimum 8 heures par nuit, conscient que ce n'est même pas la peine de tenter la run s'il n'est pas en pleine forme. Putain. Un nombre incalculable de runs ont raté parce qu'il lisait le chat au mauvais moment. Alors il délimite précisément les moments où il peut se permettre de parler et ceux où seul le jeu existe. À chaque run, les passages sur lesquels il n'est pas irréprochable sont notés et tous les soirs après la fin du stream, il retourne les faire en boucle. Pour comprendre pourquoi la run est quasi impossible, il faut visualiser la chose suivante. Même lorsqu'un passage est maîtrisé à la perfection, il existe une chance infime pour que quelque chose se passe mal. Un petit 0,1% de probabilité pour que l'IA des ennemis fasse quelque chose de bizarre, ah, pour que le doigt du runner glisse sur la manette ou pour qu'il cligne des yeux au pire moment. Et ce 0,1%, il est rejoué à chaque pas. Dark Souls est un jeu qui veut votre mort. Si c'est pas un boss qui frappe en une fraction de seconde, ce sera un zombie caché derrière une caisse, ou un archer au sommet d'une tour, ou un fantôme sorti d'un mur. Je me souviens de ces mobs. À chaque tournant de chaque dédale, il y a quelque chose de pernicieux qui attend en embuscade. Alors, sur la route de la run, ce 0,1%, il enfle. Il gonfle à chaque seconde, et la seule chose dont il a besoin pour devenir si gros qu'il bloque complètement les chances de réussite, c'est du temps. Et malheureusement, aucun Dark Souls n'est aussi long à compléter, de très loin. Tout le monde le savait lorsque le défi a été lancé, mais le concept même de se balader 10 heures dans ce jeu sans jamais être touché est absurde. Nous sommes le 6 mars, un mois après la reprise, les runs échouent chaque jour, et du côté des streamers comme du côté des viewers, il faut se battre contre le découragement et contre cette idée insidieuse qui reste à l'arrière de la tête de tout le monde et qui dit que Squilla avait raison et que c'est bel et bien impossible. Tout le monde sait, Kotz est déjà arrivé une fois jusqu'au roi d'Ivoire, mais personne ne sait si c'était une occurrence sur 100, et alors il suffit d'être patient pour que ça arrive de nouveau, ou une occurrence sur 1 million, et alors tout le monde est en train de perdre son temps. Mais en ce 6 mars, nous sommes sur le point d'avoir un élément de réponse. Hotz a vu des amis à lui ce matin, puis il est rentré de bonne humeur, il a lancé un stream, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Oh, la saloperie, le jeu de part eux là, Zalen et Lude, les pires, fuck, ces boss. Ces deux tigres, mais le chemin pour aller à l'arène est horrible, j'en ai des PTSD de ce boss. Genre vraiment, c'est le pire boss de tous les Dark Souls confondus parce que la run, en fait, pour courir jusqu'à l'arène de ce boss, tu dois traverser un blizzard où t'as des cerfs qui te chargent et qui t'attaquent et qui font trop mal. Et genre, c'est long, tu prends cher, tu prends des dégâts, t'es obligé de te heal tout le temps et tu peux te faire OS des fois. Et genre, une fois que t'y es, c'est deux putains de tigres et c'est genre le même boss que t'as battu quand t'es arrivé déjà dans le DLC, sauf qu'il y en a deux. Imaginez genre ça déjà pour, sans se faire toucher, quoi. C'est vraiment c'est le pire endroit de tous les Souls, ce truc. Vraiment, quand je l'ai fait en vidéo YouTube, ça, c'était dur. J'ai cuté beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages parce que je rageais de fou. J'en avais trop marre. Et pour la seconde fois, il est parvenu jusqu'au roi d'Ivoire avec la run encore en vie. 6000 personnes se pressent sur le live. Vous savez quoi ? Je me dis que c'est vraiment le moment parfait pour vous parler de l'anneau de Pierre Larme, ce merveilleux objet qui augmente la puissance de son porteur lorsqu'il lui reste très peu de points de vie. C'est l'anneau parfait pour une run comme celle-ci, puisqu'il ne faut de toute façon pas se faire toucher, alors autant se mettre un point de vie et profiter des pouvoirs de l'anneau. La technique pour activer l'anneau quand on fait une no-hit run est assez fun aussi. Il faut mettre la main sur ce marteau très spécial qui empoisonne celui qui le manie. Puis mettre quelques coups dans le vide, s'auto-empoisonner, attendre d'avoir perdu assez de vie pour activer l'anneau, se soigner, tout ça. C'est crucialement important
d'avoir autant de dégâts que possible en affrontant le roi. Parce qu'après une minute de combat, il enchante son épée qui devient alors plus longue, et si la pointe de la lame a moins de distance à parcourir pour atteindre le joueur, alors les attaques arrivent encore plus vite. Le temps, c'est la distance sur la vitesse, cours de collège, tout ça. Tout ça pour dire que Hutz a oublié d'activer l'anneau. Donc que le roi a enchanté son arme en ayant encore beaucoup de vie. S'il fait son attaque la plus rapide maintenant, avec sa lame enchantée, elle arrivera en 25 frames. Ça fait à peu près 4 dixièmes de seconde. Vous savez à quel point c'est dur d'esquiver une attaque qui vient en 4 dixièmes de seconde quand on a 10 heures de stream dans les pattes? Ouais, ouais. Oh, la tête! Oh, la tête! Oh, la tête! C'est la douleur! C'est dur à regarder. Et il dit « I'm sorry ». Un nouveau jour, pas de PUBG ni de Dead by Daylight à l'horizon, juste une nouvelle tentative. Après continue, putain. Si on échoue à 10 secondes de la fin, pour la seconde fois, après 6 mois d'efforts, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ça arrive. Les jours passent et quelque chose de terrible se profile à l'horizon. Une chose que redoutent tous ceux qui ont une tâche particulièrement ardue à accomplir. Une limite de temps. Nous sommes en mars, le prochain jeu de From Software, Sekiro Shadows Die Twice, sort le 22 mars. Lorsqu'il sera disponible, Twitch n'aura plus Dieu que pour lui. Les milliers de viewers qui motivent Hutz chaque jour et qui lui permettent de gagner sa vie ne resteront pas sur une chaîne qui ne stream pas le nouveau jeu phénomène. Pour garder ses viewers, Hutz va devoir streamer du Sekiro. Mais arrêter Dark Souls 2 pendant des semaines, voire des mois, c'est oublier les routes, c'est s'habituer à d'autres contrôles, c'est perdre ses marques, c'est perdre ses réflexes. Et vu le temps et les efforts qu'il faut pour atteindre un niveau suffisant sur Dark Souls 2 pour avoir une chance de réussir, c'est peut-être ne jamais récupérer la motivation pour essayer encore. Quoi qu'il arrive, il faut réussir avant la sortie de Sekiro. Ah, horrible. Le 12 mars, Hutz glisse sur une pierre et tombe dans la mer. 15, une seconde de trop passée près d'un basilic le change en pierre. Le 18, une flèche tirée au loin parvient à siffler entre les arbres pour le frapper à l'épaule. Et le 19, un insecte géant s'est déplacé un peu trop à droite. Il bloque son passage et Hutz finit dévoré par le reste de l'essaim. L'erreur fatidique est là, toujours là, toujours en embuscade quelque part. Et finalement, le temps imparti touche à son terme. Nous sommes le 21 mars et il reste 24 heures pour réussir la run. Non! Vraiment, c'est ce qui s'est passé? Ah, ça, je savais pas. 87 tentatives. Attends, quoi? Ah non, 87 depuis la pause. Pendant cette fameuse run du 21 mars, on frôle la catastrophe à chaque heure. Contre la Gang Squad, par exemple, un boss redoutable. Boss de merde aussi, ça. C'est vrai, il y a tellement de boss de merde dans Dark Souls 2. Ça, c'est juste trois vieux PNJ de merde dans une arène. Super. Pendant lequel on affronte trois ennemis en même temps. L'unique méthode consiste à courir en boucle, poursuivi par le soldat. Boss de merde, ça, je m'en souviens. Tout en esquivant en rythme les flèches décochées par l'explorateur et en lançant du poison derrière soi jusqu'à ce que les trois poursuivants passent l'arme à gauche. Hutz remonte une pente rocheuse, esquive une flèche et alors que ses deux poursuivants devraient être en train de monter la pente derrière lui, il fait soudain pivoter sa caméra pour regarder sur sa droite. Le pilleur de tombe est là, à un mètre, déjà en train d'armer son coup. Hutz esquive la tête. Dernière fraction de seconde et sauve la run. Mais comment a-t-il su que le pilleur de tombe n'était plus derrière lui? Eh bien, lorsqu'il a chuté de la corniche, un peu plus tôt, il n'a entendu que le soldat tomber derrière lui. Si le pilleur de tombe n'a pas fait de bruit, c'est qu'il est resté sur la plateforme principale, et donc qu'il va lui arriver dessus avec un angle improbable. Il y a 15 trucs différents à surveiller pendant ce combat, c'est le combat le plus dur après le roi d'Ivoire, mais... Oh non, non, ça c'est pas vrai. Enfin, pour une no-hit peut-être, j'avoue. J'avoue que pour une no-hit, ça doit être l'enfer. Mais en vrai, il y a d'autres combats qui sont ignobles dans Dark Souls. A tellement joué à Dark Souls 2 à ce moment-là que même au milieu de ce chaos, il est capable de dire ah, pour une noite, c'est l'enfer, j'avoue. Au bruit que font les pas du boss sur le sol de l'arène. En vrai, après ça c'est quand tu ça c'est je pense c'est naturel le fait de réagir par rapport au son et des bruits de pas des boss et tout, normal. Une heure plus tard, nous voici face à l'entrée du château de Dranglake. Les légendes racontent que l'un des 19 points d'apparition des esselés se trouve ici, mais pendant pour une noite, ça doit être l'enfer. Hutz ne l'a jamais vu. C'est donc un des seuls spots pour lesquels il n'a pas de plan. C'est la run de la dernière chance. Attends, quoi? Il a jamais vu ça? C'est donc un des seuls spots ici. Mais pendant ces mois et ces mois d'entraînement, Hutz ne l'a jamais.
Une heure plus tard, nous voici face à l'entrée du château de Dranglake. Les légendes racontent que l'un des 19 points d'apparition des Esselés se trouve ici. Mais pendant ces mois et ces mois d'entraînement, Hotz ne l'a jamais vu. Ah, il s'est jamais fait envahir. Pour lequel il n'a pas de plan. C'est la run de la dernière chance. Et ce serait profondément pas de chance que le point d'apparition s'active maintenant. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my. Après ça va, c'est une grande arène. Oh my fucking god, I wish I had Homeworld right about now. I did not know he spawned there. This is the first time I see this guy. No joking. What the actual fuck? He was like 2 seconds away from spawning on top of me and hitting me. Holy fucking shit, I should not be bringing him to this close corners. I'm gonna hope to kill him before he gets too close, but... Oh putain, il a tellement oh d'HP. He's faster than me. Le bas des escaliers est bloqué. Et il va falloir faire une esquive. Hein. This is incredibly cursed moment. Le stress, putain. Please fuck off, hold on. Please fuck off. Soon. Stone ring. Okay. Ouais, ça va, ça c'est facile à dodge. That's it, that's it, that's what I needed to do. Il est safe, il est safe, il est safe. We're good. Les attaques sautées, c'est facile à dodge. The lowest attack he's got, so we're fine. Out of all the things he could have done, that's probably the best one. Lorsque Doom Eternal a commencé à faire sa promo quelques mois avant sa sortie, la première scène à être montrée est la cinématique d'intro d'une mission qui a lieu au milieu de la campagne et qui s'appelle Noyau de Mars. Ce choix n'a pas du tout été fait par hasard, les développeurs étant conscients que, de toute la campagne, Noyau de Mars est leur plus grande réussite en termes de mise en scène. Mais pour comprendre pourquoi cette mission est géniale, il faut d'abord qu'on parle 20 secondes du jeu en général. J'ai envie de rejouer. En termes de... Je me sentais si à l'aise sur Doom Eternal. Genre, je l'avais tellement dans les doigts, ce FPS. J'étais trop... j'étais dans la zone quand je jouais à ce jeu. C'était trop agréable. J'ai tellement hâte qu'il sorte une suite. Vraiment. Hein. Et je pensais pas autant kiffer. Vraiment, Doom Eternal, ça a été une vraie surprise. Je m'étais dit, ouais, ça va être sympa. Mais genre, je sais pas. J'ai vraiment pris les mécaniques du jeu vraiment à fond et j'ai surkiffé. Vraiment. Faire les master level. J'ai pas nécessairement envie de faire les challenges les plus durs, mais juste le faire dans la difficulté cauchemar et tout, j'ai trop kiffé. Genre, je me sentais trop à l'aise. Et tu te sens tellement bien quand t'as les mécaniques dans les pattes et c'est trop agréable, vraiment. Ah, les mécaniques de gameplay sont irréprochables, de ouf. La musique, bien sûr, la musique insane. Le gameplay Doom Eternal est une incroyable réussite. Le décrire comme nerveux est un euphémisme. On a réellement l'impression d'être un mec horriblement en colère qui a décidé que la seule option qu'il a pour que sa journée soit un peu moins nulle, c'est d'étriper tout ce qui se trouve dans son champ de vision. Pour aller sur du bon gameplay, c'est mieux d'avoir de la bonne musique. Et là, si vous aimez pas le métal, vous êtes mal barré. Mais même si vous pouvez pas piffer le genre... Force est de constater que ça marche plutôt bien. Il est où le switch d'arme là pour l'efficacité du gameplay du DPS ? Vous auriez pu dire un bon scénario pour donner du contexte à toute cette action. Mais on est dans Doom. Donc voilà. Non, ce qui manque ici, c'est une mise en scène, un décor épique pour rajouter encore une couche de badass sur la situation. Et après avoir essayé les villes attaquées par des démons, les bases attaquées par des démons et les ruines attaquées par des démons, force est de constater que sur l'échelle du badass, rien ne vient vraiment tester le canon planétaire bloquant seul l'armée des enfers et faisant trembler tout son astéroïde à chaque fois. Ah, c'est très stylé ça. Par contre, le message qui te dit que le canon va tirer est un peu chiant. De retour au noyau de Mars, on a une map giga stylée, mais maintenant on a deux problèmes. Déjà, on peut pas montrer que le canon, il faut quand même faire varier un peu le décor. Et deuxièmement, même lorsque le canon est visible, on peut pas forcer le joueur à le regarder tout le temps. Parce que, il est un peu occupé. C'est là que les devs vont faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. C'est là qu'ils vont utiliser tout ce qui est à leur disposition en termes de mise en scène pour rappeler aux joueurs que le canon existe sans pour autant l'obliger à s'arrêter et à le regarder. Ça commence par le son, par une voix plus précisément qui prévient toutes les 10 secondes. Le canon se recharge. Je me souviens, ça spammait ça, c'était relou. Annonce, le bruit sourd du canon qui part et les tremblements de la caméra par-dessus pour bien faire sentir aux joueurs que tout l'astéroïde est en train de se secouer à chaque impact du canon. Donc t'es au début de la mission, dans des souterrains pour faire varier le décor, le canon n'est pas en vue mais avec l'audio et la caméra qui tremble, le jeu refuse déjà de te laisser oublier que t'es à seulement quelques centaines de mètres de ça.
et ça marche en combinaison avec le gameplay et avec la musique, le joueur se dit « Oh putain, ce qui se passe est complètement épique ». Et puis comme il faut faire varier les décors, on finit par arriver dehors avec évidemment une vue tout droit sur le canon, et là il y a toujours beaucoup trop d'ennemis pour qu'on ait le temps de s'arrêter et de regarder la scène, alors un nouvel élément entre en scène. Cette lumière verte, éblouissante, qui rend la scène monochrome pendant quelques secondes à chaque détonation. Encore une fois, c'est les devs en train d'aider le joueur à se rappeler de l'énormité de la situation dans laquelle il est, même s'il faut lui cramer la rétine pour ça. Tous ces efforts sont déployés parce que dans un jeu avec une action aussi frénétique, c'est très facile de se laisser absorber. Je suis en mode, je vois le gros tireur, je suis en mode, il faut utiliser la frappe là pour enlever l'armure, ensuite tu le défonces. Par la baston et d'oublier tout ce qui se passe autour. Et à ce moment-là, les efforts des devs pour rendre l'environnement badass passent un peu à la trappe. Donc on veut que le joueur profite du paysage, mais le gameplay est beaucoup trop rapide pour ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne un coup de main au cerveau du joueur en lui envoyant un rappel toutes les 10 secondes via message audio. Et à chaque rappel, c'est le rush de dopamine parce que l'inconscient se souvient que si on entend le BFG 10 000 tirs... Moi, ça m'a vite saoulé en vrai. Genre, et le chat d'ailleurs, vous étiez trigger à ce moment-là, je me souviens. Au bout d'un moment, vous étiez en mode, oui, on a compris. Alors juste au-dessus de nos têtes... Et parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le fight aussi, je pense. C'est pas ça. Notez également qu'une fois à l'extérieur de la base, le message sonore n'est plus là, parce que si on avait d'affilée message sonore, lumière verte et tremblement de la caméra, ça ferait beaucoup. On veut... Bah c'est exactement ce qui s'est passé pourtant, non? Dans le chat, il y en a qui étaient là quand j'ai fait Doom Eternal? Il me semblait qu'à ce moment-là du jeu, ça rendait ouf d'entendre tout le temps le message, non? Qui a un rappel, mais à côté on veut le moins de distractions possible entre le joueur et l'action. C'est ultra bien dosé. Voilà, c'était Noyau de Mars et c'était super bien fait. Il y a plein de niveaux dans plein de jeux qui essaient de mettre leur décor en avant, mais celui-là, il parvient en faisant varier beaucoup les méthodes et surtout sans jamais arrêter l'action, ce qui est tout à fait commendable. Okay. PS, si vous êtes assez vieux pour avoir joué au premier Doom, par-dessus le gameplay, la musique et la mise en scène se rajoute une quatrième couche de bonheur, celle de la nostalgie. Parce que le nom du canon, BFG 2000, et cette remarque de la part de votre allié au début du niveau. Je pense que la source d'énergie du BFG 2000 devrait aussi vous intéresser. Servent à faire comprendre à n'importe quel vieux fan de Doom qu'atteindre le canon, c'est mettre la main sur l'arme la plus emblématique de la série. Et l'une des armes les plus emblématiques de toute l'histoire du jeu vidéo d'ailleurs. Au point même qu'Elon Musk s'amuse à y faire référence quand il construit des fusées. Donc si vous êtes un vieux fan, c'est même double bonus, parce que sur le fun et sur la mise en scène réussie, s'ajoute la trépidation de savoir qu'à chaque pas, on se rapproche du légendaire BFG. Le BFG 9K. Ok. Parce que, attendez, en vrai, ça me fait douter. Pour moi, on entendait le son. Hein. Tu savais pas quoi de quoi? Le BFG? Si, le BFG, je me souviens de Doom 2016. Je m'en souvenais. C'est quoi l'arme emblématique? C'est le BFG 9K. Le bouton, j'en ai ras le cul. Et tu crames tout, en fait. C'est un peu ça. Il a fait d'autres vidéos dans ce goût-là? J'ai vu sa vidéo sur Among Us. Voilà, c'est celle-ci. C'est celle que j'avais vue. The Witcher ne comprend pas son public. Tiens. J'ai pas l'habitude. Ouais, en vrai, curieux de voir celle-ci, pour le coup. Plutôt curieux de voir celle-ci. Suite de parler de série, donc aujourd'hui, on va parler d'une série, parce qu'il paraît que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Aussi, je vais spoiler dans tous les sens. Alors, allez plutôt voir la série et revenez après. Aujourd'hui, j'ai le seum, parce qu'après avoir dévoré les bouquins d'Andrei Sapkowski et les jeux de CD Projekt Red, j'ai enfin pris le temps de regarder la série The Witcher. Et j'ai l'impression que les gens qui ont fait ça ne sont pas fans d'Heroic Fantasy, qu'ils aiment pas le genre plus que ça, et surtout qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens comme moi, et probablement comme vous, regardent ce genre de série. Et je vais essayer de le montrer avec 3 ou 4 exemples. Les premiers épisodes se concentrent sur Yennefer, une pauvre fille bossue enrôlée plus ou moins de force dans une école de sorcellerie, qui surprend un soir la directrice de l'académie transformant 3 mauvais élèves en anguilles, et expliquant ensuite que ceux qui échouent à devenir des magiciennes sont condamnés à alimenter le reste de l'école en vivant dans un bassin magique. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de l'énergie magique de tous ces élèves ? Pour garder les lampes allumées. C'est évidemment pas dans les bouquins. Parce que c'est débile. Oui. C'est stupidement méchant, en fait. Les magiciens et les magiciennes sont avides de pouvoir et manipulateurs. Y a pas de souci. Mais ils sont pas stupidement cruels. Transformer des gamines en piles magiques pour le restant de leur jour parce qu'elles ont des mauvaises notes, c'est tellement disproportionné que c'en est cartoonesque. C'est pas le genre d'idée que tu mets dans ton script parce que c'est bien trouvé. C'est juste là pour choquer. Ça fait... Attends, mais moi, je me suis toujours dit que cette scène, c'était en mode, en fait, c'est la source de mana... qui aident leur... Enfin, moi, je me disais que ça servait un peu la source de magie de tout le monde.
Moi, en fait, dans ma tête, je me disais, ça sert certainement, entre guillemets, le Aretusa, quoi. Mais j'avoue qu'ils expliquent pas, en fait. Je me disais, bah, en fait, elle rejoignent le mana pool et ça aide. Mais du coup, j'avoue qu'en fait, ils expliquent pas, parce que théoriquement, en effet, la magie, ça vient pas de là, quand les mages de Aretusa s'en servent. C'est vrai, ça. Et donc, ça, c'est pas dans les films. Je savais pas. C'est pas dans les livres. C'est le générateur de secours. C'est juste pour faire regarder les magiciens, ils sont méchants. Ah ouais? Dans les livres, c'est les failles de magie élémentaire. Bah ouais, j'avoue que c'est gratos, ça. C'est naze. Moi, je pensais que ça servait à un... Moi, vraiment, je m'étais dit dans ma tête, ouais, ils rejoignent le mana pool qui un peu fournit la magie à tous les mages du coin, quoi. Normalement, c'est omniprésent, la magie, ça vient de la conjonction. Ouais, un peu comme dans Warhammer, quoi. Linky jaune comme les anguilles. Ah ouais, putain, c'est marrant, ça. On peut aussi perdre aux spectateurs toute empathie vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans un truc pareil. Quand dans le dernier épisode, vous essayez de me faire jouer la carte de la sympathie envers la directrice avant la bataille finale, bah moi, en tant que spectateur, je suis là à me dire, bah non. Non, c'est la meuf qui a passé les 200 dernières années à emprisonner des jeunes filles pour pas avoir à rallumer la lumière. Oui, non, mais c'est vrai. Vu comme ça, c'est une saloperie, la meuf. J'avoue. J'ai pas envie d'avoir de l'empathie pour elle. Foutez-moi la paix. Comparons deux secondes avec l'académie telle qu'elle est décrite dans les livres. Personne ne se fait transformer en quoi que ce soit parce que les magiciens, qui sont comme tout le monde et qui préfèrent être riches, font payer l'entrée de leur académie une fortune. Du coup, on ne métamorphose personne parce que, de 1, plus personne voudrait payer leurs scandaleux frais d'inscription, et de 2, le prix de l'académie signifie qu'il n'y a que les grandes familles qui peuvent y envoyer leurs enfants. Ah ouais, ils ont vraiment... Ouais, la série, ils sont partis en couilles, en fait. Genre, ils s'en battaient les couilles, ouais. Oui, ça n'a pas de sens, en fait, ce qu'ils ont fait, j'avoue. Alors que dans les livres, ça paraît plus grounded dans la réalité, quoi. Et si tu changes... Enfin, ça paraît plus crédible. Une fille de duc en anguille parce qu'elle était dernière de sa classe, 24 heures après, il y a une armée qui vient raser ton école. Mmh. Alors, c'est sûr, c'est moins choquant que... Les mauvais élèves terminent leur vie dans un aquarium. Mais quand on a des personnages et des péripéties qui sont intéressantes, on n'a pas besoin de se reposer sur le choquant. Et surtout, la version des livres est plus plausible. Et ça, c'est très important. On y reviendra en fin de vidéo. Totalement dans la même veine, cette scène-là. Dans les bouquins, les magiciennes restent jeunes grâce à des sortilèges, mais la pratique de la magie finit par les rendre stériles. C'était clairement pas... Ouais, il me semblait que c'était ça que j'avais lu. Et du coup, quand j'ai vu la série, je m'étais dit « Oh, bah j'ai dû me tromper. » C'est imagé pour notre réalisateur. Mais c'est parce que j'ai pas lu le livre. Il s'est demandé comment reprendre ces idées-là, mais de façon bien, bien trash. Et il a décidé de nous ramener ce mec, avec sa chaise flippante, qui pratique une fusion entre magie et chirurgie, et qui va te... Qui les stérilise pour pas faire des gosses corrompus. La stérilité est en fait provoquée volontairement par les autres sorcières depuis longtemps. La mère de Geralt est elle-même une sorcière. Ouais, ça va marcher du coup pour Geralt. Du coup, moi, en tant que spectateur, je suis obligé d'en déduire que cette scène, c'était vraiment que du gore pour du gore, ce qui est assez vulgaire comme démarche. Mais il y a un personnage du livre qui a été particulièrement maltraité par la série. Il y en a un qui a pris plus cher que tous les autres. Calance. C'est Nilfgaard. Ah, Nilfgaard. Ok, c'est un empire. Dans ouais, Nilfgaard, c'est les méchants, 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 quoi, ouais. Me cassez pas les couilles. Nilfgaard, c'est l'ambition et la logique. C'est un empire où la compétence est la seule chose qui compte et où la conquête du monde est le seul objectif. Dans les livres, et dans les jeux, pour... Et quand ils justifient leur guerre de conquête en disant qu'ils apportent la civilisation au reste du monde, bah on est vraiment tenté de leur faire remarquer que pour les gens qu'ils ont massacrés, ça fait pas de différence, mais de l'autre, ils ont en partie raison. Ceux qui survivent et qui deviennent citoyens de Nilfgaard vivent mieux après. Geralt se retrouve généralement du côté des royaumes du Nord dans les livres, mais c'est par hasard. C'est parce qu'il a grandi là, et c'est parce que la plupart de ses amis vivent dans les royaumes du Nord. À côté de ça, il est infiniment mieux traité à Nilfgaard. Ce racisme et cette intolérance qu'on voit pendant toute la série n'existent pas dans l'Empire, parce que les Nilfgaardiens sont suffisamment éduqués pour savoir que c'est pas parce que quelqu'un a les yeux jaunes qu'il faut lui cracher à la gueule. Tout ça pour dire que normalement, Nilfgaard n'est pas vraiment méchant, parce qu'en géopolitique, ça n'existe pas, les vrais méchants. Mais ça allait pas à nos scénaristes. Non, 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 on fait une série pour débiles, faut que le méchant il soit vraiment, vraiment méchant, hein. Et d'ailleurs, dans Witcher 3, Nilfgaard, ils arrivent à très bien retranscrire le côté « bon, c'est les envahisseurs, et casse les couilles ». Mais c'est pas non plus des mecs méchants. Enfin, genre, il y a... Comment il s'appelle Strolheim, je sais plus comment il s'appelle, le général, là. Qui est même un pote de Geralt. À un moment, tu deals un peu avec eux. Bon, tu sens que c'est pas évident, mais tu comprends les motivations et tu comprends qu'ils sont pas nécessairement méchants, mais
quand tu décides de les défoncer, tu choisis un peu un side, quoi, quand même. Tu choisis un side. Morvan, Voriss. Ouais, Voriss. Je sais pas pourquoi je l'appelais Strawline. C'est dans Jojo, Strawline. Je crois. C'est bien amené dans le jeu, pour le coup. Beaucoup mieux, ouais, en effet. Et la façon dont ils ont rendu Nilfgaard méchant est tellement cliché, tellement américaine. Ouais, c'est vrai que c'est très, très cliché, Nilfgaard, la méchanceté qu'ils ont. Ils sont communistes. Et ensuite, c'est des fanatiques religieux. Ouais. Ce qui est l'excuse facile numéro 1 des films hollywoodiens, parce que quand quelqu'un fait quelque chose d'horrible, c'est beaucoup plus facile de dire « bon, c'était un fanatique » que de s'embêter à écrire une vraie raison. Vraiment, je le digère pas. J'ai vraiment le seum. J'ai vraiment le seum d'avoir vu un des empires les plus machiavéliques de l'histoire de la littérature fantastique transformé en une secte communiste. Je vais finir de faire le tour de mes exemples avec la bataille finale, la forteresse de Sudden. Bon. Déjà, Sudden, c'est censé être une colline, et pas un château, mais ça, c'est pas grave. Surtout, Sudden est censé être LA gigantesque bataille. Celle qui arrête finalement l'avancée de Nilfgaard vers le nord, parce que les royaumes du nord ont réussi à faire front commun. C'est censé être une bataille titanesque, avec dans les 50 000 hommes de chaque côté. Et nous, à la place, on a 22 magiciens, qui font la bataille tout seuls, parce que les armées du nord sont à la bourre. L'armée de Nilfgaard est probablement la plus grande jamais assemblée par un empire humain, une armée destinée à conquérir un continent entier, et ils se font stopper. Pas par l'ensemble de la confrérie des magiciens, non, 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 par un petit groupe de 22 d'entre eux. Si les magiciens ont ce pouvoir-là, qu'est-ce qui les empêche de conquérir le monde? Pourquoi ils s'embêtent à servir les rois et les reines du continent alors qu'ils pourraient tout diriger? Et me dites pas que le pouvoir les intéresse pas, à chaque fois qu'on les voit, ils sont en train d'intriguer pour en avoir plus. Dans les livres, les magiciens servent parce qu'ils sont pas si puissants que ça. Ils peuvent faire des choses miraculeuses, mais s'il y a 10 personnes qui leur courent dessus avec des dagues, ils font comme tout le monde, et ils crèvent. Du coup, c'est logique qu'ils servent les rois et les reines du continent parce qu'un état reste infiniment plus puissant qu'eux. Une logique dont la série avait de toute évidence rien à foutre. Voilà, c'est la fin des exemples. Et bon, ça va être risqué de parler pour tout le monde, mais je pense vraiment que les geeks comme moi, qui sommes très clairement le public cible pour ce genre de série, regardons ce genre de truc pour s'immerger dans un univers. Et ça ne vaut pas le coup de briser la logique de cet univers, et notre immersion avec, au passage, juste pour nous montrer quelques effets spéciaux ou quelques trucs choquants. Des élèves qui prennent des transformations à vie parce qu'il fallait bien garder les lampes allumées, un utérus passé au grill, comme c'était dimanche et qu'on avait sorti les chipolatas, et un nouvel empereur de Nilfgaard qui convertit un empire tout entier à son culte en même pas 10 ans, ce qui, de vous à moi, est un sacré speedrun. Encore, si ça avait été une œuvre originale, j'aurais pu comprendre que les scénaristes se reposent une fois de temps en temps sur les sensations fortes parce qu'ils étaient en manque d'inspi. Mais là, vous aviez certains des meilleurs bouquins de l'histoire de l'heroic fantasy à disposition. C'était votre job. Bon, alors là, par contre, un des meilleurs bouquins d'heroic fantasy, les jeux, bon, pour en avoir beaucoup discuté avec, bon, j'ai pas lu les bouquins moi-même, mais pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont pu lire les différents bouquins et tout, les livres The Witcher sont pas parmi les meilleurs. Genre, les jeux sont meilleurs que les livres. C'est pas... Ils sont bien, mais ils sont pas non plus... voilà. C'est bien, mais c'est pas... Apparemment, c'est pas les meilleurs. Je pense qu'il est un peu... Bon. Après, voilà, c'est un peu fort comme affirmation, je pense. De les adapter. Mais bon, c'est pas la question. Et vous les avez volontairement stupidifiés pour nous, pour le public, et probablement en ayant l'impression de nous rendre service aussi. Tout ça pour dire que c'est quand même plus agréable de regarder une série quand t'as pas l'impression d'être infantilisé par les créateurs toutes les trois scènes. Allez, bonne journée. Alors là, pour le coup, bon, moi, j'ai pas lu les bouquins. Du coup, tous les défauts qu'il met en avant, bah forcément, c'est sûr, quand t'as lu les bouquins, ça doit te défoncer. Tu vas être en mode, putain, mais c'est trop con. Mais c'est vrai que quand tu compares au jeu, le monde dans la série fait un peu plus simpliste. Et c'est vrai qu'il y a certains points auxquels j'avais pas pensé. Et où je m'étais dit, bah, je suis pas un expert du lore, donc bon, j'imagine que c'est comme ça dans les bouquins. Mais j'avoue, quoi, ils ont un peu fait de la merde. Moi, la saison 2, j'ai pas trop aimé. Hein. La saison 2 Witcher, je l'ai regardé un peu en mode OSEF. Genre, je l'ai regardé, j'étais là... La saison 1, j'avais bien aimé. Objectivement, j'avais bien aimé. Mais la saison 2, je sais pas. Meilleure adaptation de livre en série que j'ai eu l'occasion de voir, ça reste The Expanse. Ah ouais, Vinchok ? J'ai regardé The Expanse, moi, tout entier. C'était vraiment bien. C'est vraiment très très bien, The Expanse. Vraiment excellent. Les dryades SVP remboursées. Eh, franchement, le truc horrible, c'était les chaînes. Moi, le truc du les chaînes, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Qu'est-ce que c'est que c'est... Quoi ? Le les chaînes ? Qu'est-ce que... Quoi ? Un les chaînes, ça fait ça ? Mais dans quel monde ? Pourquoi ? Non. J'ai pas compris. Non, mais vraiment, j'ai pas compris. Ah ouais.
Tu peux regarder la vidéo sur le speedrun de WoW. Il a fait une vidéo sur le speedrun de WoW. Bah là, on me conseillait la vidéo sur... la vidéo sur... ah. Sur Shadow of the Colossus. Je vais regarder ça. On va regarder ça. Nous sommes en 2007. À cette époque, Shadow of the Colossus est sorti depuis 2 ans déjà. Immense succès, acclamé par le public et par la critique, la totale. Après des dizaines de milliers de parties, on pense avoir tout trouvé, même les secrets les plus absurdes, comme ce jardin suspendu dans lequel on ne peut monter qu'à cette quatrième partie parce qu'il faut terminer le jeu 3 fois pour avoir assez d'endurance pour grimper jusqu'en haut. Mais... les youtubeurs, c'est The Great Review. Sont connus pour leur tendance à planquer des secrets dans leur création et à les planquer vraiment bien. Et surtout, Shadow of the Colossus, avec son univers aussi détaillé qu'inexplicable, dégage une aura de mystère suffisamment épaisse pour que des années après sa sortie, certains joueurs parcourent encore les terres interdites en se demandant si quelque chose n'est pas toujours caché là-dehors. Il paraîtrait même que certains ont trouvé quelque chose. C'est dans le remake avec les... Il va parler de ça ? C'est dans le remake avec les pièces ? Parce que ça, j'ai entendu parler de ça quand il y a eu le remake Demon's Souls. Sur les forums Sony. Personne n'imagine que la plus grande chasse au trésor de l'histoire du forum est sur le point de débuter. Seulement un topic vient d'être posté. Celui-ci s'intitule « La quête du dernier secret » et il a été rédigé par un forumer du nom d'Ascadia. À l'intérieur, il est clairement découvert une piste, laissée par les développeurs. Une piste qui débute avec les premiers mots entendus dans la cinématique d'intro. Le jeu ouvre en effet sur un masque parlant de résonance des points d'intersection et de souvenirs gravés dans la roche. Pour tout le monde, c'est du charabia, tout juste bon à renforcer le côté mystérieux du jeu. Mais Ascadia, pense pas pareil, Ascadia il est persuadé que ces mots servent à quelque chose. Comme tout le monde, j'ai regardé celle d'Osdarva en premier. La résonance des points d'intersection. Alors il se concentre sur les souvenirs gravés dans la roche, et c'est là que 4 symboles attirent son attention. Des pierres recouvertes de symboles, c'est clairement pas ça qui manque dans ce jeu, mais ces symboles-là semblent revenir à plein d'endroits, et lorsqu'on connaît l'attention aux détails avec laquelle ont été construites les différentes zones du jeu, on trouve très vite ça suspect. Gravé dans la roche, on a compris ça. De la map, mais aussi compris. Sur des ruines au sud, dans le désert, et dans la cinématique d'intro, sur les piliers qui marquent l'entrée des terres interdites. Pour Ascadia, chaque symbole représente un lieu de la carte vu du ciel. En les plaçant, il obtient un point de convergence qui tombe pile sur un temple enfoui sous le désert. Dans ce temple, au fond d'un couloir, se trouve une porte immense qui ne s'ouvre jamais pendant la partie. Ce soir de décembre, Ascadia poste son topic sur les forums Sony et demande de l'aide pour trouver comment ouvrir la porte enfouie sous le désert. Habitué à ce que toutes sortes de théories farfelues soient avancées, les forumers sont d'abord dubitatifs, mais alors que les arguments d'Ascadia sont Elle est bizarre cette date. Le 12-362-2007. C'est quel jour ça ? C'est quel mois ça ? Je connais pas. Examiner, l'intérêt de la communauté grandit. Parce que c'est vrai que cette rune pourrait bien représenter les deux piliers à l'entrée des terres interdites avec le passage au milieu. Et c'est vrai que celle-ci ressemble trait pour trait à une ville en ruine à l'est de la carte. Waouh ! Sable à ses gigantesques colonnes. Quant à la troisième, on dirait bien le temple central avec la rivière qui passe au nord et le pont qui rejoint le temple. Voilà, et c'est indéniable qu'en les plaçant sur une carte, leur point de convergence tombe très exactement sur cette fameuse porte. Cette porte si troublante, qui comporte elle aussi 4 symboles et des marches, comme si les développeurs voulaient s'assurer qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une bête décoration, mais bien d'un passage. Des dessins sont tracés, des plans sont comparés, et chaque jour de nouvelles personnes se rangent du côté d'Ascadia. Toute une communauté qui pensait en avoir fini avec ce jeu ressent une fois de plus le frisson de l'aventure. C'est génial ça. Meilleur sentiment. Tout ça c'est très bien, mais il y a un os. La 4e rune. Ascadia et quelques autres pensent qu'elle représente un lac au nord-ouest, sauf que visuellement, ça colle pas vraiment. Certes, le point central pourrait être le pilier qui jaillit du lac, et les lignes autour pourraient être les aqueducs qui rejoignent ce pilier. Sauf que ces aqueducs, ils sont détruits. Et donc impossible de savoir à quoi ils étaient censés ressembler. Si les développeurs nous avaient vraiment donné une piste à remonter, ils se seraient pas amusés à mettre un symbole qui sert à rien dans le tas. Donc si personne ne peut placer la 4e rune de façon convaincante, c'est toute la théorie qui tombe à l'eau. Alors on argumente que la 4e rune doit être trouvée par élimination, puisque 3 runes permettent déjà de trouver la porte. Et on ajoute que du point de vue du lore, c'est logique, parce que ces runes ont probablement été gravées à une époque où la construction sur le lac n'était pas détruite. Mais sur le topic, on est loin de convaincre tout le monde. Tous ces débats ont attiré l'attention d'un internaute, du nom de Raising Girl. Comme Ascadia, elle pense que la 4e rune va sur le lac, mais surtout, elle a vu les runes à un autre endroit. Un endroit où beaucoup de joueurs ne mettent jamais les pieds. Au fond du temple se trouve une pièce avec un bassin et un gigantesque escalier en spirale. C'est par là que le héros arrive la première fois pendant la cinématique d'intro, et puisque la porte en haut des escaliers se referme derrière lui,
il n'y a jamais de raison de revenir. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des secrets cachés derrière le joueur au début du niveau. Parce que se retourner au début d'un jeu n'est pas naturel. Ouais, ouais. Et le long de ce monumental escalier, il y a des dizaines et des dizaines de runes. Elles forment des lignes de haut en bas avec 3 runes par ligne, chaque ligne affichant une combinaison de différentes runes, sauf celle-ci. La seule qui comporte 3 fois la même rune, et pas n'importe laquelle, celle qui nous intéresse. C'est à ce moment-là que Raising Girl réalise que lorsqu'elle se trouve face à cette ligne, enquête de fou, elle regarde droit en direction du lac. Alors elle pose le tout à plat, et soudain, tout le monde le voit. Un secret suffisamment bien caché pour avoir éludé tous les joueurs du monde pendant plus de 2 ans. L'escalier que l'on descend pendant les premières minutes du jeu est une boussole. Une boussole qui pointe droit en direction du lac. À présent convaincu, des centaines de joueurs se rassemblent autour d'un seul mot d'ordre. Trouver comment ouvrir cette porte. Ah ben. Dans cette quête, ils vont explorer chaque centimètre carré du monde de Shadow of the Colossus, acquérir une masse de connaissances qui pourrait remplir une encyclopédie, et même gagner un nom au passage. The Seekers, qu'on va traduire ici par les explorateurs. Et il y en a des pistes à explorer. Lorsqu'on réalise que l'épée se plante dans le sable alors qu'elle rebondit sur la terre, on sonde le désert mètre par mètre pendant des dizaines d'heures. Et lorsqu'on réalise qu'un faucon, plus gros que les autres, vit dans un arbre géant au sud de la carte, on se met à enchaîner les New Game Plus 5 fois, 8 fois, 10 fois, persuadé qu'avec assez d'endurance, on pourra rester accroché à l'oiseau suffisamment longtemps pour qu'il nous mène au prochain indice. Oh, putain. On vole également la flamme du temple du désert pour l'emmener aux quatre coins du monde en espérant que sa présence déclenchera quelque chose. Certaines découvertes sont même faites en dehors du jeu. Lorsque Shadow of the Colossus venait de sortir, il était possible de se connecter à un site sur lequel on trouvait la carte du jeu, plongée dans l'obscurité, qu'on pouvait révéler avec sa souris. Le site n'a pas été accessible très longtemps, d'ailleurs l'immense majorité des joueurs n'y a jamais mis les pieds. Vous vous souvenez de la découverte de Raising Girl ? Si bien planquée qu'on a du mal à croire que les développeurs mettraient un indice aussi improbable dans leur jeu ? Ah, c'est ouf. Eh bien la boussole était là, sur un site disponible quelques mois seulement en 2015, et son aiguille pointait déjà sur le lac. Et puis il y a autre chose de vraiment étrange. Tout un tas d'objets magiques qui ne s'obtiennent qu'après la fin du jeu. Des objets avec des propriétés tout à fait surprenantes, comme une épée capable de réfléchir la lumière du soleil même dans l'obscurité. Et ce dans un jeu où on nous demande justement d'ouvrir une porte en réfléchissant la lumière. Mais aussi des flèches explosives qui ne semblent servir à rien, et un harpon dans un jeu où seule l'épée peut tuer les ennemis. On nous donne ces objets après la fin du jeu, ils apparaissent tous dans la salle de la boussole, et ils ont tout un tas de pouvoirs farfelus, la moitié d'entre eux n'ayant aucune utilisation évidente. Y a pas besoin d'aimer les théories tirées par les cheveux pour avoir l'impression qu'une fois... Attendez, quand vous finissez Shadow of the Colossus, ils vous filent des items en mode comme si y avait autre chose, alors qu'il y a juste des boss que vous avez tous tués, quoi. C'est trop bizarre. La partie terminée, le jeu se met à nous distribuer des outils nécessaires à l'obtention du dernier secret. Alors chaque grotte est explorée à la lueur de l'épée, chaque mur est testé par les flèches explosives et on bondit de chaque falaise avec le parachute dans l'espoir. La capture, la bonne 240p des familles à l'époque là. Trouver quelque chose. Les explorateurs sont remarquablement organisés. 6 mois après son ouverture, le topic compte plus de 1640 réponses, presque tous les postes servant à proposer de nouvelles pistes ou à rendre compte des explorations récentes. La raison pour laquelle c'est arrivé sur ce jeu et pas sur un autre, c'est parce que Shadow of the Colossus est construit comme une vieille légende, le genre qu'on entendrait au début d'un RPG. Il y a bien longtemps, le héros triompha des forces du mal et ramena la paix dans le royaume. Dans ce genre d'histoire, on ne donne jamais aucun détail, genre qui était le héros, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il fait ça, c'est parce que la narration est concentrée sur le fait héroïque et sur rien d'autre. Shadow of the Colossus, pareil. Un type débarque avec une femme morte dans les bras, passe un marché avec une créature mystérieuse, il doit tuer 16 colosses et la créature ramènera la femme à la vie. Et c'est tout. Il n'y aura aucune autre explication jusqu'à la fin du jeu. Et pas de PNJ, et pas de dialogue, et pas de quête secondaire non plus, juste cette cavalcade effrénée d'un affrontement titanesque à l'autre. Tout est épuré au possible, parce que tout est designé pour nous donner l'impression qu'on est au premier rang pour assister à une ancienne légende. Sauf que cette fois, cette terre de légende qu'on se contente d'habitude d'entrevoir dans le récit, on est dedans. On peut la parcourir, on peut visiter ses lieux, on peut analyser les symboles sur ses murs. Et lorsqu'on regarde ces fameux murs de plus près, est-ce qu'on voit des textures basse résolution copiées-collées partout pour gagner du temps ? Non. On y voit un océan de détails, exactement comme si ce lieu était réel, exactement comme s'il avait une histoire. Des détails et du mystère, c'est les deux ingrédients magiques qui génèrent la fascination chez l'esprit humain. Et pour nous, qui arpentons ce monde derrière, ça nous donne l'impression qu'on nous a exceptionnellement laissé entrer dans un lieu qui n'est censé exister que dans notre imagination. Alors forcément, on veut jamais partir.
Évidemment, la conversation porte souvent sur la nature du dernier secret. Les plus prudents portent sur un simple message de félicitations de la part des devs, mais d'autres n'ont pas peur de rêver plus grand. Ainsi naît l'une des légendes les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, un mythe qui va voyager bien au-delà du forum Sony. Aux États-Unis, où cette rumeur est particulièrement présente, il n'y a pas un collégien propriétaire du jeu qui n'a pas entendu dire qu'un 17e colosse sommeille quelque part dans Shadow of the Colossus. Mais tout est sur le point de changer. 8 mois après le premier post d'Ascadia, quelqu'un débarque sur le topic avec le lien d'une vidéo YouTube. L'auteur de cette vidéo est l'une des premières personnes au monde à émuler Shadow of the Colossus sur PC, et puisqu'il est en train d'émuler, il peut utiliser des hacks. Des hacks qui lui permettent d'ignorer toutes les règles, et ce YouTuber, dont la chaîne a été supprimée il y a bien longtemps, s'avance vers la porte qui contient tous les espoirs et tous les rêves des explorateurs, et tel un dieu farceur qui se moque des règles de l'univers, il la traverse. Y'a rien. Et il n'y a rien de l'autre côté. Après les runes, la boussole, l'intersection parfaite, la porte fermée et les objets magiques, comment peut-il ne rien y avoir? Puisque la quête se fait maintenant via émulateur, une nouvelle génération d'explorateurs avec des compétences différentes a repris le flambeau. Et ils ont fait des découvertes fantastiques. Une chaîne de montagnes perdue dans la brume au large de la carte, un gigantesque barrage resté inutilisé, ou encore les terriers de colosses abandonnés pendant le développement. Cette seconde génération a obtenu une compréhension du jeu si exhaustive qu'elle sera contactée par Bluepoint bien des années plus tard pour aider à créer le remaster de Shadow of the Colossus. Mais toutes ces découvertes, c'était que du contenu inachevé, laissé derrière eux par les développeurs, et cette manne de connaissances s'est accompagnée d'une contrepartie bien amère. La certitude que le dernier secret n'existait pas. Lorsque les datamineurs ont annoncé sur le topic qu'il n'y avait absolument plus rien à trouver, qu'ont fait les explorateurs? Ils ont continué à parler de Shadow of the Colossus. Pendant 300 pages. Parce que les indices ont toujours été bancals au mieux et que les théories étaient tirées par les cheveux. Parce que quand on est vraiment passionné, tout ce qui permet de continuer à parler du jeu est bon à prendre. Parce que sans dataminage, le mystère règne et parce que le mystère est la terre dans laquelle les rêves poussent. Parce que partager cette sensation d'être le premier à mettre les pieds quelque part, avec un groupe qui partage les mêmes rêves, a plus de valeur que n'importe quoi qui aurait pu être laissé derrière par les devs. Parce que la quête a toujours été bien plus importante que le secret. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait rien à la fin. Putain, le bait, quoi. Enfin, c'est beau ce qu'il dit, mais c'est quand même vachement dommage qu'il n'y ait rien à la fin. Parce qu'ils se sont fait chier, les devs, à mettre un truc, quand même. Nous sommes en 2018. Mais Bluepoint ont fait quelque chose, oui. Aux quatre coins du monde, et même le légendaire Topic a disparu quand Sony a fermé ses forums communautaires. La quête du dernier secret n'existe plus que dans les souvenirs de ceux qui y ont pris part. Mais le jeu vient d'être remake, sur PS4, un travail de titan qui permet à une nouvelle génération de découvrir un jeu de légende. Travail de colosse. Serait-il possible qu'en plus d'être entièrement repassé sur l'aspect visuel du titre, les équipes de Bluepoint aient modifié quelque chose? Si quelque chose a bien été changé, ce serait en grande partie grâce aux explorateurs. Avec le temps, leurs théories sont devenues des histoires, et ces histoires sont devenues des légendes. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de remake. Je sais qu'il y a quelque chose dans le remake. Qu'il court autant de rumeurs. Est-il possible que les explorateurs aient voulu leur dernier secret si fort qu'il lui ait donné vie? Mais attends, il montre pas? Ah non, si, il montre. Il y a Ascadia. Ah, il est décédé en 2018. Mais attends, mais il a vu le jeu du coup pas? Mais du coup, ouais, il y avait un truc dans le remake, il me semble. En gros, il y avait des pièces à collecter. Parce qu'en fait, je sais que Bluepoint ont fait ça avec Demon's Souls, avec la fameuse porte qui ne s'ouvrait pas dans Demon's Souls. Et Bluepoint a fait en sorte que cette porte puisse être ouverte en collectant des pièces de porcelaine, ou je ne sais plus, des pièces en terre cuite. Et il y avait ça aussi dans Shadow of the Colossus. Mais putain, ouais, là, elles sont vraiment bien ces vidéos à The Great Review. Mais alors, vous étiez en train de me dire le WoW speedrun?
Mais je sais pas qui aurait fait une vidéo là-dessus. Quelqu'un a fait une vidéo sur le MGG, la course qui passionne les joueurs de voir. Ah, donc du coup. Donc ça, c'est MGG, donc c'est maintenant ils travaillent sur MGG. Ok. Je regarde si c'est bien ce lien, Navy. Ouais, c'est bien celui-là. Ok, regardons ça. Ça, c'est Echo. La meilleure guilde d'Europe, slash probablement du monde, sur le point de faire l'exploit sur World of Warcraft, et ça... Ascadia était en vie au moment de la sortie du remake. Ok. Ok, ok. Putain, ouais. Mais en tout cas, il fait vraiment de belles vidéos, Review. Hein. C'est le bruit de tout un tas d'espoirs qui se fracassent en même temps sur le sol. Pour comprendre pourquoi il y avait des centaines de milliers lui, de personnes sur Twitch pour regarder Echo se faire délaître par un boss, et pour comprendre pourquoi ça a fait drama sur les réseaux juste après, explication. Les raids sont la crème de la crème du challenge sur World of Warcraft. D'un côté, il y a des gens un petit peu étranges qui font du roleplay dans les zones de départ, et complètement de l'autre côté du spectre, il y a les gens qui font des raids en mythique. Les raids... Honnêtement, je suis à un moment de ma vie où je trouve que les gens les plus étranges, c'est ceux qui font les raids en mythique, pas ceux qui font du JDR. Pas ceux qui font du RP, clairement. Les raids sont des donjons très longs et très difficiles. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, les joueurs le font en mode normal, puis en mode héroïque, et une fois que tout le monde est bien rodé, là c'est la fin du fun, et Blizzard sort le raid dans sa version extrêmement énervée, la version mythique. Au moment où le mode mythique est débloqué, les plus grosses guildes du monde s'élancent dans un événement qui n'est pas officiellement backé par Blizzard, mais qui est une véritable institution pour les joueurs, qui fait des chiffres de fou malade. T'as vu cette vidéo, Trauma ? Et qui est ce que WoW a de plus proche d'un e-sport à succès, la course pour savoir qui va plier le mode mythique en premier, qu'on appelle affectueusement Race to World First. Remporter la course est une immense fierté pour la guilde qui y arrive. Les Américains veulent qu'une guilde américaine y arrive en premier, les Européens veulent la même chose pour l'Europe, donc la communauté est un petit peu clivée, et ça explique pourquoi cette histoire va partir en sucette dans pas longtemps. Le problème numéro 1 que rencontrent toutes les guildes qui prennent part à la course, c'est que l'équipement qu'il faut pour survivre à un raid en mode mythique... Il est chaud, hein, Review. Hein. Niveau narration, il est top. Eux-mêmes. Chacun d'entre eux n'est tuable qu'une fois par semaine. Supposons que notre gros raid a 10 boss, cool. On fait les 9 premiers, naturel. On se retrouve devant le boss final et là on regarde qui a looté quoi. Si dans l'ensemble votre équipe de 20 personnes elle a pas eu de chance et elle a looté 3 fois rien, bah il se peut que vous ayez juste pas assez d'équipement pour faire le boss de fin. Et là vous allez me dire ils ont qu'à être très très bons et éviter toutes les attaques. Le problème c'est que sur WoW, si le combat dure trop longtemps, à un moment le boss en a marre et one shot tout le monde. C'est la mécanique d'enragement. Non, super. Donc tous les combats sont en temps limité, et si vous pensez avoir joué parfaitement mais que vous n'avez pas fait assez de dégâts pour tomber le boss avant son enragement, bah c'est foutu, on se voit au prochain reset. Le reset, c'est le moment chaque semaine où tous les boss ressuscitent et où vous pouvez les looter une nouvelle fois. Pour les guildes qui participent à la course... C'est marrant, mais genre tous les mecs que je vois dans... Enfin, les mecs qui tentent ce genre de truc-là, j'arrive pas dans mon esprit à avoir autant de respect que pour Odsdarva tout à l'heure. Genre, pour moi, ils sont genre... Odsdarva, il est à un niveau stratosphérique à côté d'eux, en fait, en termes de puissance. Genre, vraiment, quand je compare à Odsdarva, pour moi, genre, c'est une blague, en fait. Parce que quand vraiment, Odsdarva, c'est un truc de ouf. Vraiment, la vidéo sur Odsdarva, elle te fait te dire que ce mec est un surhomme, c'est un dieu. Vraiment, ça me fume. À l'exploit de remporter. Ouais, ça paraît un peu ridicule à côté, clairement. On se rajoute donc potentiel. Vraiment, tout paraît ridicule à côté d'Odsdarva maintenant, ça me fume. Vraiment, l'exploit d'y parvenir dès la première semaine en ayant quasiment pas de stuff. Et s'ils sont les seuls à y arriver, ils pourront prétendre pour toujours être la seule guilde qui était capable de faire ce boss avec un seul round de loot. Il y a énormément de raids dans l'histoire de WoW que personne n'a pu clear la première semaine. La fenêtre pour y arriver se referme très vite, et pour obtenir ce prestige, les plus grosses guildes sont même prêtes à bench leurs tout meilleurs joueurs s'ils n'ont pas eu de chance et qu'ils n'ont rien loot, ou à acheter leur équipement à des joueurs extérieurs à la guilde, parfois pour des fortunes. Du coup, revenons à Echo. Ils sont face à Sylvanas, le boss final du raid qui vient de sortir, et ils sont à deux doigts de l'exploit à moins de 48 heures du reset. Sylvanas est un boss combat en le mettant à 50% de points de vie. Dès qu'elle tombe à 50%, c'est cinématique et fin du raid. Ou en tout cas, c'était comme ça en mode normal. Mais alors que Twitch s'est rassemblé pour voir Echo gagner la course, Sylvanas passe sous 50% et non seulement
Elle ne meurt pas, mais elle enrage et balaye Echo en 4 secondes. Oh putain, le seum. La descente est vachement... Oui, moi, l'énorme problème que j'ai avec WoW, en stream, quand tu n'es pas joueur WoW, oh bah, il n'y a pas qu'un problème. Hein. C'est tout ça, là. Genre, toute l'interface. Au secours! Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bordel, on comprend rien. J'ai dû regarder là pour dire « Ah, ça, c'est la barre de PV des membres du groupe, du raid. » Mais putain, qu'est-ce que c'est imbitable. Vraiment, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible de comprendre. Et encore, ça, c'est un des plus clean, je pense, que j'ai pu voir. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, vraiment. Quand tu ne joues pas au jeu, c'est pas possible d'apprécier le jeu. Quand tu regardes un stream WoW de quelqu'un qui... Quand tu regardes un stream WoW, tu regardes pas pour le jeu, tu regardes juste parce que la personne dit des trucs intéressants ou que la personne, elle est divertissante. C'est vraiment un just chatting glorifié. Dans le cas où tu n'es pas joueur. Si tu es joueur, tu comprends. Et dans ce cas-là, tu apprécies le gameplay. Mais si tu n'es pas joueur, tu passes sur un stream WoW, t'es juste là soit pour dire bonjour à ton pote qui stream WoW, coucou Troma, soit parce qu'il est en train de parler et que t'as envie de discuter. Vraiment, hein. Mais c'est pas si compliqué, tu te fous de ma gueule. Tu comprends rien, mec. Tu comprends R, il y a zéro feedback en plus quand il tape. Tu vois juste des chiffres et tout, c'est un enfer. Non, c'est un enfer. C'est horrible. La descente est vachement rude, hein. Mais si même les joueurs de la guilde, ils étaient en train de crier parce qu'ils pensaient avoir gagné, vous imaginez que sur le chat, c'était déjà la fête. Tout le monde est extrêmement déçu, et quand le peuple est déçu, avant de chercher des explications, il cherche des responsables. Et le responsable, en matière de WoW, il est toujours tout trouvé. Ce qui est trop marrant, c'est que dès que je parle à MMO, il y a mes modos, ils font « Alpha, tu sais que sur FF14, c'est mieux. » Arrêtez! Vous êtes trop chiants, les modos, à chaque fois, vous êtes en mode « FF14, c'est mieux là-dessus. » C'est insupportable. C'est bizarre. Ça parle d'un bug, ça parle d'un oubli, ça ressort l'interview d'un dev de Blizzard qui avait promis qu'il n'y aurait pas de phase supplémentaire à Sylvanas en Mythique, et surtout, ça parle d'un complot. Comme quoi Blizzard veut absolument qu'une guilde américaine gagne la course, et ils auraient rendu Sylvanas plus dur à la dernière seconde quand ils ont vu qu'Echo allait gagner la course. Et là-dessus, les datamineurs ont débarqué en disant « Bah non, les amis, c'est bel et bien marqué dans les fichiers du jeu. En Mythique, Sylvanas, elle meurt à 45%, oh, pas à 50%. » Et c'est des fichiers qui ont été ajoutés il y a 3 semaines, pas à la dernière seconde quand Echo était sur le point de gagner. Il va falloir arrêter d'être parano. Alors, pourquoi est-ce que la commu s'est mise aussi vite et avec autant de véhémence sur les côtes de Blizzard? Eh bien, c'est parce qu'il y a un passif. Sur WoW. Parce qu'on a l'habitude. En gros. Pourquoi est-ce qu'on a chié sur Blizzard? Parce qu'on a l'habitude. C'est tout. Merde. J'ai pas envie de changer mes habitudes. Tout le contenu sort avec 16 heures d'avance aux États-Unis. Limite, la plus grosse guilde américaine et les principaux rivaux d'Echo, ils ont commencé la course avec 16 heures d'avance. Du coup, la moitié de la communauté européenne est persuadée que comme Blizzard est une boîte américaine, il y a du favoritisme, alors que vraiment... Ça casse les couilles, le fait que ça sorte avant aux US. Enfin, ça m'a toujours saoulé les sorties en différé par rapport aux US en... Europe, trop relou. Ça. Blizzard en a rien à carrer de l'e-sport et que c'est juste beaucoup plus simple pour eux de pas gérer les déploiements de mages dans toutes les régions en même temps. Bah ouais, donc mais vous êtes bizarre, putain. Handicap. Mais c'est pas tout. La façon dont le système est pensé fait que cet handicap devient de plus en plus injuste chaque semaine. Parce qu'on a vu que la première semaine, tout le monde a pu tuer les 9 premiers boss une seule fois. Donc tout le monde est sous-équipé, donc personne n'est vraiment capable de finir le raid. Ce serait un exploit, et si tu as le seul groupe d'aventuriers au monde assez talentueux pour finir le raid avec un seul round de loot, tu t'en fiches de laisser 16 heures d'avance à quelqu'un. C'est ce qui a failli arriver quand Echo a mis Sylvanas à 50%. Mais le reset arrivera 16 heures plus tôt aux États-Unis, et donc pendant 16 heures, Limit pourra essayer avec deux fois plus de stuff qu'Echo. Et s'ils prennent la win à ce moment-là, ce sera pas parce qu'ils auront mieux joué, ce sera parce que le combat sera devenu plus facile et Echo aura rien pu y faire. Donc retournons sur Echo, il est hors de question de regarder Limit plier le raid après le reset tranquillement, alors c'est le moment d'activer ses neurones. Ils l'ont tombé à 49,6%. Puis ils ont pris une enrage après 14 minutes et 30 secondes de combat, donc c'est en gros le temps maximum qu'ils ont.
Dans le même temps, ils doivent lui enlever 5% de vie en plus, mais sur un boss qu'on affronte que sur 50% de sa vie, ça veut en vrai dire qu'il faut lui enlever 10% de vie en plus. Je sais pas si vous me suivez, c'est pas grave. Ce qu'il faut noter, c'est que ce groupe, qui joue déjà à fond et qui est composé des meilleurs joueurs du monde, doit d'une façon ou d'une autre trouver comment faire 10% de dégâts en plus sur la même durée. Si on a déjà l'impression de se donner à fond, et si on peut pas améliorer son stuff, c'est le moment de trouver une strat. Plus elle est scandaleuse, mieux c'est, et les gens de Chaco sont pas juste des monstres mécaniques, ils ont aussi des membres particulièrement retors capables de faire s'arracher les cheveux aux gens chargés de l'équilibrage chez Blizzard. Même pas deux jours plus tôt, ils ont tombé le 9ème boss, celui juste avant Sylvanas, avec une stratégie 50% brillante et 50% honteuse, qui consistait à détourner un sort qui devait tuer leur tank sur un personnage plus fragile. Kel'Thuzad, le 9ème boss du raid, s'amuse régulièrement à fragmenter l'âme du tank en 5 fragments. Si celui-ci ne récupère pas ses fragments d'âme en moins d'une minute, il meurt. Pour ramasser les fragments, faut d'abord les battre, parce qu'ils sont devenus agressifs. Problème, ils ont beaucoup de vie, le tank peut pas s'en sortir tout seul, donc toute l'équipe l'aide à ramasser ses fragments. On perd du précieux temps de DPS sur le boss, qui se rapproche à chaque seconde de l'enrage, et c'est comme ça que Blizzard s'assure que les guilds sont suffisamment bien équipés pour passer ce combat. Là-dessus, Echo débarque, avec une strat. Et dans une scène qu'on voit pas vraiment tous les jours dans les MMO, au moment où le tank est sur le point de se prendre ce sort de fragmentation d'âme, un DPS taunt le boss pour prendre le spell à la place du tank. Comme le sort est conçu pour blesser un tank et pas un malheureux mage en robe de chambre, bah, le DPS qui a taunt se fait fumer, imploser sur place. Comme la cible du sort est morte, le sort considère qu'il a fait son travail et les fragments d'âme n'apparaissent jamais. Bah oui. Personne perd de temps à les frapper. Tout le monde continue à DPS le boss, le tank a pas perdu l'aggro du boss, et le pauvre DPS, bah, il ressuscite 3 secondes plus tard parce qu'il est équipé d'un bijou. Un bijou qui vient juste d'être ajouté au jeu, que Echo a littéralement drop sur les boss précédents du raid, un bijou qui permet de ressusciter gratuitement une fois toutes les 6 minutes. Mais c'est pas... Alors ok, 6 minutes cool, mais... C'est pas easy de raise un mec en plein combat, en plein raid? Genre les prêtres et tout, ils peuvent pas raise un mec sans problème en combat? Ah non? Quand un mec meurt, c'est la merde. Seuls les druides le peuvent. Battle res du druide. Oui, voilà. C'est limiter le nombre de res. Ah, ok. S'il veut Kel'Thuzad, il lance son sort toutes les 30 secondes. C'est pas grave, parce que tout le raid d'Echo est 30 équipé de 30 minutes de combat, ce bijou, de CD. Parce qu'on l'a dit au début, ils ont pas peur de faire parler l'argent. Ils ont simplement acheté ce bijou en masse à tous les autres joueurs du serveur. Résultat, à chaque fois que Kel'Thuzad s'amuse à essayer de fragmenter le tank, les DPS se font one-shot à tour de rôle pour protéger le tank. Et toute cette mécanique des fragments d'âme, qui était une composante essentielle de ce fight, est ignorée. Ouais. Et Echo a passé Kel'Thuzad comme ça, en étant lourdement sous-équipé. Et à l'heure actuelle, la communauté débat toujours pour savoir si c'était une utilisation ingénieuse des mécaniques du jeu ou une honteuse exploitation d'une erreur de Blizzard. Ouais, et puis derrière, en plus, ils ont... Ouais... Ouais. Or, il se trouve qu'ils ont une nouvelle idée. Non, mais ok, c'est smart. C'est smart de faire ça, mais derrière, en gros, avec les moyens de ouf, ils achètent l'item à tout le monde, quoi. Mais oui, un peu osef, oui. Pour Sylvanas, cette fois. À un moment, juste avant le début de la phase ultime de Sylvanas, il y a un moment où il y a 2 adversaires, chacun d'un côté de l'arène, Sylvanas elle-même et le Colosse. On peut pas juste ignorer le Colosse, parce que si on l'ignore, le Colosse, il prend le seum et il lance un sort qui fait des dégâts sur toute l'arène. Alors que sur FF14, il y a juste le CD qui doit se recharger et on a un spell qui rend les res instants s'y claquer juste avant. Bah en fait, moi, le seul truc qui me gêne avec leur strat, c'est que c'est une strat qui est accessible si t'es une giga guild avec masse thune pour acheter cet item à tout le monde. Et du coup, ça fait que le fight, il n'est pas vraiment sur le même pied d'égalité pour tous les groupes de joueurs. C'est ça que je trouve chiant, en fait. C'est ça que je trouve nul. Mais bon. Fume le groupe de loin. Parce qu'ici, Blizzard veut clairement que le raid se sépare en 2 avec 10 joueurs qui font autant de dégâts que possible à Sylvanas. C'est pas achetable, mais ils viennent dire qu'ils l'ont acheté à tout le monde. Le trinket est droppable. Ils disent qu'ils l'ont acheté à tous les joueurs. Le trinket est droppable que sur les boss du raid. Tu peux pas juste l'acheter pour le coup. Ah bon? C'est un drop, tu peux pas l'acheter. Ah ok. C'est les Giga Guild qui tentent les World First après. Ouais, non mais c'est vrai, c'est sûr. Qui gère le Colosse. Et là, Echo se dit... Non mais après, il trouve des solutions et voilà, c'est tout. C'est marqué nulle part qu'il doit mourir le Colosse. Juste, il faut l'occuper. Est-ce qu'on n'aurait pas
par hasard, un joueur suffisamment talentueux pour occuper tout seul une bestiole conçue pour être affrontée à 10. Alors Nao, c'est lui là, prend son chevalier de la mort et se donne pour mission de solo le colosse jusqu'à la fin de la phase sans y passer. Devant les yeux ébahis de Twitch, Nao tient au bout de tous ses cooldowns de soins et d'invulnérabilité, il manque d'y passer, mais à la dernière seconde, il est téléporté avec son équipe jusque dans la dernière phase de Sylvanas. Bon, cette fois-ci, ils vont wipe, parce qu'ils connaissaient pas encore suffisamment bien la phase 3, mais de 1, ils savent que Nao peut le faire, et de 2, ils avaient jamais commencé la troisième phase avec aussi peu de vie sur Sylvanas. Donc c'est cette méthode qui pourrait bien leur donner les 10% de dégâts qui leur manquent. Sauf que, encore une fois, les problèmes sont sur le point de tomber sur la tête de la guilde. Parce qu'il se trouve que Blizzard, ils aiment pas tant que ça les petits malins qui pensent pouvoir faire les donjons autrement que comme ça a été prévu par eux. Et s'il faut arrêter une guilde en plein milieu d'un progrès parce que leur méthode est un petit peu trop abusée, il n'y a pas de souci, ils sont totalement prêts à le faire. Il y a un an et demi, sur un autre raid, Limit, la guilde américaine, a découvert que Blizzard avait fait une erreur terrible qui leur permettait d'enlever la moitié des points de vie d'un boss sans prendre le moindre risque. Et ils étaient à quelques minutes d'attraper la première mondiale grâce à ça. Sauf que Blizzard, ils regardaient le stream, et dans leur panique, Blizzard, ils ont préféré faire dépop le boss à travers tous les serveurs et laisser Limit bêtement dans leur arène vide plutôt que de les laisser prendre la première mondiale. Oh, les réactions ont dû être incroyables. C'est trop bien. Ah, moi j'adore. Ah, moi ça me fait trop rire, c'est trop bien. Et on dirait que cette fois-ci ils étaient en train de regarder le stream d'écho, parce qu'un tout petit peu plus tard, alors que Nao est tranquillement en train de tanker le colosse, il se fait one shot. Un vrai one shot qu'il a pas vu venir. Et c'était pas une erreur de sa part, c'est juste que le colosse vient de lancer Berserk. Berserk, c'est l'un des sorts d'enragement les plus communs sur WoW, les boss le lancent sur eux-mêmes quand ça fait trop longtemps qu'ils sont en vie et ça multiplie leurs dégâts par 10. Sauf que même pas une heure avant, le colosse il avait pas Berserk. Ça a été rajouté discretos par Blizzard quand ils ont vu la stratégie d'écho pour les obliger à mettre 10 joueurs sur le colosse pour les tuer avant qu'ils lancent Berserk. Et là, c'est dur pour Echo. Ils ont commencé à croire... Ah, mais moi, j'aimerais trop être à la place de Blizzard et faire ces décisions que j'ai en mode... Et regardez là, regardez les no-life là. Regardez le no-life là. Là, il croit qu'il va y arriver là. Hop là, top là. Deux fois plus de PV pour le... Ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, encore. Vraiment les enfoirés, ça me fume. Tiens le gros geek là, hop là. Allez, passe plus de temps sur mon jeu, gamin. Ils avaient pas le stuff pour passer Sylvanas avant le reset. Ils trouvent une strat qui est même pas si abusée que ça. Faut être... Et puis abonne-toi. Astucieux, faut quand même super bien jouer. Ça rend pas le combat si simple. C'est juste une strat qui leur donne une fenêtre d'espoir. Et la Blizzard fait non, c'est pas comme ça qu'il faut faire le combat. Ça s'est de nouveau énervé sur les réseaux. Oh, ils ont dû prendre si cher. Cette fois, certains joueurs de la guilde ont exprimé publiquement leur frustration. Beaucoup, beaucoup de gens de la communauté ont reproché son manque de souplesse à Blizzard. Et une petite minorité a continué à hurler au favoritisme pro-américain. Faut croire qu'ils n'étaient pas là le jour où Limit s'est fait dépop un boss sous ses yeux. Et dans tout ça, les pauvres joueurs d'écho, ils sont à 24 heures du reset. Et s'ils veulent y arriver, il va leur falloir un truc clean. Une victoire indéniable, que même Blizzard pourra pas contester. Non mais c'est des décisions prises à l'arrache, parce que c'est hyper dur de recréer des conditions en interne avec des bêta-testeurs similaires à des conditions de guildes qui tryhardent leur vie pour y arriver en fait. C'est trop dur, c'est trop dur. Genre, il y a tellement d'enjeux pour ces guildes et tout d'un point de vue... Juste rien que, en fait, genre, c'est n'importe quoi les enjeux de World First pour les guildes de ce style-là. Genre, on parle d'enjeux financiers, là, carrément. Là. Genre, t'as des sponsors qui sont en jeu, t'as des emplois qui sont en jeu, leur vie, c'est ça, en fait. Leur vie, c'est ça, en fait. C'est pas juste, t'es avec tes potes et t'essayes de passer le niveau difficile d'un jeu que t'aimes bien faire avec eux, tu vois. Donc forcément, tu peux pas recréer ces conditions quand t'es en interne avec des bêta-testeurs chez Blizzard. C'est impossible. Les gens qui vont bêta-tester, même s'ils sont chauds au jeu, ils vont jamais aller aussi loin qu'un mec qui est désespéré d'être le meilleur. Et tu peux pas lui demander d'aller aussi loin qu'un mec désespéré d'être le meilleur. C'est pas possible. Tu peux pas. Si le mec arrive à se mettre dans cette condition alors qu'il est simplement payé pour être bêta-testeur, c'est un surhomme. C'est un surhomme.
alors que sur FF14. Est-ce que c'est faisable? Théoriquement, oui. Pour une raison très simple, qui est que sur un jeu aussi dur, il faudrait être un dieu vivant pour prétendre vraiment ne pas pouvoir faire un peu plus de dégâts. Comment ça marche WoW à haut niveau? D'abord, il faut jouer sa classe parfaitement. Jamais rater ses rotations. Toujours avoir les bons buffs sur les bons timings. C'est dur, mais pas tant que ça. C'est comme apprendre une comptine et la réciter à la perfection. Et là-dessus, s'ajoute le boss. Si Sylvanas crie, tout le monde respecte la distanciation sociale et doit être à 1 mètre les uns des autres. Si elle pose des taches noires sur le sol, personne ne doit marcher dessus, sauf le tank qui doit passer sur les taches, les emmener dans un coin et se faire purifier pour qu'elle reste pas au milieu. Si Sylvanas marque le tank avec un sort spécial, il doit s'enfuir loin de ses potes, l'un des off-tanks doit taunt le boss pour pas qu'il suive le tank et l'un des soigneurs doit purifier le tank. Si elle marque un joueur avec cette flèche violette, il doit se barrer loin de ses potes avant qu'elle explose. Et si elle marque plusieurs personnes d'affilée, ils doivent évidemment se barrer dans des directions différentes. Ou avoir un timing absolument parfait. J'ai dû citer que la moitié de ces moves, il en arrive un toutes les 5 secondes. Fais une erreur sur un seul d'entre eux et tu y passes et tes 19 potes avec toi. Soudain, jouer parfaitement, c'est réciter sa comptine à la perfection. Tout... Ouais, mais comparé à Outstarva... C'est de la piste de chat, ça. Tout en faisant du jonglage et du hula hoop en équilibre sur une balle. Même des joueurs du niveau déco ne peuvent pas prétendre être parfaits dans des conditions pareilles. Ce qui est une super nouvelle. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire mieux. Pour gagner cette fois-ci, il faudra prendre la flèche explosive sur la tête et au lieu de se barrer... Ah, je me remets pas de la première vidéo, non. Rester et risquer la vie de tes 19 potes juste pour qu'elle ait un sort en plus. Faudra lancer... Ouais, bien sûr, c'est difficile. La difficulté vient du fait que t'es en groupe, en fait. Et que tu dois trouver un nombre de cracks au jeu qui ont vraiment un super bon niveau, quoi. C'est ça qui est pas facile, en fait. Évidemment. Mais en vrai, imagine, tu mets 20 au Starva, là. Bon, bah, le boss, là, il tombe. Il tombe premier try, en fait. Un sort avec 3 secondes de temps de chargement, en pleine confiance, parce que tu connais tellement par cœur les patterns du boss que tu sais, sa prochaine attaque, qui t'obligera à bouger, elle arrive que dans 3 secondes. On va compter en haut de Starva. Une AOE sur la tête. Réaliser que t'as pas la place de t'éloigner de tes amis, et choisir, avoir la présence d'esprit, de sauter dans le vide pour qu'elle pète au milieu de nulle part, et réussir à revenir en planant au pixel près. C'est comme ça qu'Echo va devoir jouer. Pendant 15 minutes pleines, s'ils veulent avoir la moindre chance avec leur stuff, toujours sur le fil du rasoir, en étant non seulement parfait sur leurs esquives et sur leurs rotations, mais aussi en prenant tous les risques pour caler le moindre point de dégâts en plus. Parce qu'au final, il faudra montrer le niveau de prouesse mécanique qu'on est en droit d'attendre de la meilleure guilde du monde. Mais en vrai, ce qui doit être vraiment difficile, c'est de gérer un groupe comme ça, quand même. Parce qu'en plus... Enfin, c'est comme dans tout groupe compétitif, tu travailles avec des cracks et donc ils ont de l'ego pour beaucoup. Et donc, enfin, genre, ah, ça saute dur. Ah, je sais qu'il y a des sacrés cons, hein. Surtout quand ils ont un bon niveau. C'est ça le problème, c'est que plus ils sont bons, plus ils ont tendance à être cons d'un point de vue social. Donc, c'est pas facile, c'est dur. En vrai, oui, je comprends que ça doit être un enfer d'assembler un groupe pareil. C'est une autre difficulté. Ouais, non, mais l'ego sur WoW. Et moi, c'est pour ça aussi que ça me fait marrer, c'est que tous mes potes qui jouent à WoW et tu sais, qui tryhardounent le jeu et qui parlent de leur truc avec leur guild, ils me parlent que des problèmes. En mode. Ils me parlent que des problèmes. Et moi, je me dis, mais il est où le plaisir là? C'est un taf pour vous en fait. Il est où le plaisir? Alors que tu as fait. Actuellement, je comprends absolument rien qui se passe à mon écran, c'est illisible, c'est dégueulasse. Mais une musique sympa. Par contre, j'ai compris la mécanique de devoir sauter dans le vide et de planer pour revenir, ça c'est stylé, ça n'a pas l'air facile à faire. Par contre, il y a un truc qui me trigger, quelque chose qui m'énerve énormément, c'est l'angle de caméra de cet homme.
Merde. Je vois plus. Putain, ils l'ont montré une seconde. C'est lui. Non, c'est pas lui. Tout va bien. En vrai, ils sont tous nickel. Ça, c'est intolérable, les amis. Ça, c'est pas tolérable. De regarder vers l'extérieur de l'écran. En plus, il a un petit trois quarts comme ça. Genre, là, on dirait... Tu fais une inversion horizontale. On aurait vraiment l'impression que tu regardes vers ton gameplay. Là, c'est... Enfin, bon, chacun son expertise. A little bit further drag if you can. Copy. Okay. Perfect. Listen, arrow scan. Perfect. It's pinpoint Robin, stack. Robin, you need to sag me here. Death knights will go out and stop moving. We need sprint already. And Baron. I will call when you go. And mini go. Death knights spread and Thoughts, stop moving. Please. And servo go. Death knights is the person if you need. Call me right man, I told. Call me right man. Ah mais là maintenant je veux voir toutes leurs vidéos là. Elles sont trop bien, les vidéos un peu en mode enquête, là. Très cool, en tout cas. Donc, du coup, maintenant, en fait, The Great Review, il travaille pour MGG. Mais c'est que lui, en fait, qui fait leur vidéo ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas excessif d'envoyer les stream snipers devant la justice. Il y a une vidéo avec Sardoche en miniature. Je suis curieux de la regarder, celle-là. Alors là... Ok... Ah mais c'est genre un weekly, c'est un format weekly, c'est ça ? Ah, c'est des formats où bienvenue dans ce nouveau ils abordent plusieurs... On commence tout de suite. Il y a un petit peu plus d'un an, Riot et Blast, qui est une boîte danoise qui organise des tournois d'e-sport, avaient signé un partenariat avec Neom, qui est une ville nouvelle génération. Alors ça, c'est marrant, en effet. ESL, notamment, avait Dodge, ça. Et il y avait Blast, par contre, eux, ils n'avaient pas Dodge. Et ils travaillent avec l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui, niveau, disons que c'est d'un point de vue juste éthique, c'est pas ouf, quoi. Et je me souviens du drama qu'il y avait eu quand il y avait eu ça. Et là, récemment, bah, une boîte possédée par l'Arabie Saoudite a racheté ESL, il me semble. Et en plus, a racheté ESL bien cher. Genre, franchement, ESL, ils sont chauds pour se survendre, honnêtement. Ils les ont rachetés encore plus cher que MTG. Moi j'étais, quand j'étais chez ESL, c'était MTG qui avait racheté. Et ils avaient déjà acheté cher, et là, ils ont racheté encore plus cher. Qui est en construction en Arabie Saoudite et qui prétend devenir un hub de commerce. Du coup, maintenant, l'e-sport CSGO, littéralement, est un peu possédé par l'Arabie Saoudite. D'industrie. Ça revenait grosso modo à avoir le gouvernement saoudien comme sponsor. Une large partie de la scène e-sport n'a pas très bien réagi à se retrouver payé par un gouvernement qui, vu sa position sur les droits de l'homme, sur l'égalité homme-femme ou encore sur l'homosexualité, et pas très 2022. Non, la casteuse et host Frankie, qui est très suivie sur CS, avait résumé le problème d'une façon assez simple. J'ai des amis qui sont homosexuels et ce gouvernement pense qu'ils devraient être emprisonnés, voire exécutés. Je n'ai pas envie d'être payé par ce gouvernement qui tuerait ou emprisonnerait mes amis s'il en avait l'occasion. Éventuellement, et Riot et Blast ont fini par laisser tomber le partenariat avec... Mais déjà que Riot dise « vas-y, let's go », alors que Riot, en plus, à ce moment-là, portait les couleurs Pride sur leurs réseaux sociaux. Mais j'ai trouvé ça, mais... Quand j'ai vu ça, j'étais là « mais ils sont sérieux ?» Oh, le degré d'hypocrisie est... détruit tout. J'en sais fou. Il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus... Ça me fume. Incroyable. L'Arabie Saoudite n'a pas laissé tomber l'idée de se payer une grosse part de l'e-sport. Et apparemment, à un moment... Genre les casters de Riot Games avaient réagi en mode « Mais what the fuck ?» Avec eux, ils étaient les nouveaux propriétaires. Parce qu'il y a environ 48 heures, un peu plus, quand vous... Oui, c'était la LEC, oui. C'était pas tout le... Par le fonds c'était uniquement la LEC, mais quand même, tu vois. ...d'officialiser le rachat de ESL et de Faceit, qui sont deux très gros noms dans le monde de l'organisation de tournois e-sport. Même en comptant les éditeurs qui organisent leurs propres compètes, c'est deux très gros noms. Valeur totale du rachat, 1,5 milliard. Combien ?
Quand on se balade sur les forums, le sentiment qui domine, c'est l'incrédulité. Comment ça, l'Arabie Saoudite a payé 1,5 milliard pour ESL et Faceit? Les joueurs sont incrédules parce que... 1,5 milliard pour ESL et Faceit? Les potes, la bulle, moi je... Alors c'est marrant, c'est un truc... Alors je vais faire une petite pause. C'est un truc dont on avait parlé. Et ça, je m'en souviens parce que c'était la première personne dans le milieu stream, YouTube et tout, qui me disait ça. On parlait e-sport avec Mame Twink et Zekaria. Et genre, c'est des premiers du milieu avec lesquels je discutais de ça qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, nous, l'e-sport, on croit un peu zéro. On trouve que c'est un peu beaucoup de... C'est beaucoup de hype survendu. Et pour nous, c'est une bulle spéculative qui va exploser. Et moi, à l'époque, j'étais à fond dans Overwatch. Je faisais les cast Overwatch League et tout. Et je les ai regardés en mode, ah ouais, mais vous exagérez pas un peu là quand même. Enfin, je veux dire, il y a des vues, il y a des trucs et tout. Et on a un peu discuté de ça, c'était vachement intéressant. Et plus ça va, et plus je rejoins leur avis. Vraiment. Et en plus, alors là, en plus, j'étais aux premières loges avec Overwatch. Parce que Overwatch, c'était vraiment un des jeux e-sport qui s'est le plus survendu auprès des sponsors, des équipes, des investisseurs. Je veux dire, le prix des slots d'Overwatch League. Mais mama, genre, les prix des slots débilement haut, alors que niveau retombée et audience, c'était une blague, quoi. Et on en avait parlé à Cologne. C'est possible, ouais. T'étais peut-être dans le coin, je ne sais pas. Mais du coup, c'était vraiment intéressant de parler de ça avec eux. Et à l'époque, je m'étais dit, ouais, ils exagèrent. Mais franchement, avec le temps, pour moi, l'e-sport, bulle spéculative de ouf. Et ça va péter, hein. Il y a un moment, ça va péter, hein. Je vois pas comment le truc peut continuer à enfler sur une hype qui existe. Je suis pas en train de dire que la hype pour l'e-sport n'existe pas. Mais elle est tellement, tellement pas au niveau de ce qui est vendu par les boîtes. Moi, je me souviens, chez ESL, on voyait souvent passer des slides, genre des PowerPoint, de prez, où les mecs mettaient des chiffres, mais qui n'étaient pas du tout les chiffres que nous, on voyait passer. Les mecs, ils étaient là. Bon, ils rajoutaient un petit zéro. Et en fait, entre chaque responsable qui se passait les PowerPoint et tout pour les reports, ça rajoutait des chiffres. Ça arrondissait. Des fois, ça... Oh, 22 000 ? Non, mais 25. Et puis au prochain, 25 ? Non, mais 30. Et au prochain, 30 ? Non, mais 50 en vrai. Et du coup, tu peux pas avoir des slides accurate. Et forcément, les mecs, ils vendent du rêve. Et forcément, ça fait une bulle spéculative. Et ouais, on va voir. Mais moi, je suis pas trop confiant pour l'avenir de l'e-sport par rapport à tout ça, en fait. Par rapport à tout ça, le fait que ça se survende tant, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui veulent que ça marche de ouf maintenant et que ça fasse de l'argent maintenant. Et qui ont vraiment mis la charrue avant les bœufs sur beaucoup de choses. C'est une bulle si on considère l'e-sport comme un modèle économique qui doit être rentable. Si c'est un budget marketing comme ce que fait Riot, ça a du sens. Bah, non mais ce que fait Riot, ça a du sens. Et pour moi, ils font partie des seuls où ça fait vraiment du sens par rapport aux investissements qu'ils font et aux retombées que ça a. Mais... Putain, le nombre d'autres projets e-sport à côté que je vois, où je vois tant d'argent et je me dis, mais putain, mais non. Pourquoi tant d'argent? Ça ne marchera pas, en fait. Non, mais oui, c'est survendu de dingue, ESL et Faceit à 1,5 milliard, c'est un truc de ouf. Et ils ont dû vraiment se frotter les mains, ESL. Hein. Enfin, MTG. MTG ont dû... Putain, MTG, ils doivent... Oh, l'opération de ouf, quoi. Ils ont dû... Ils se sont mis trop bien. Ah merde, Zera a annoncé une équipe e-sport. Après, attention. Moi, je vous parle vraiment du pur e-sport, le pur e-sport à la Overwatch League, à la CSGO et tout. L'e-sport que tu mixes avec le business influenceur, ça, par contre, c'est autre chose. Le business influenceur, par contre, ça, c'est quelque chose qui a des retombées, des grosses retombées. Il y a beaucoup d'argent et c'est clairement quelque chose qui peut bien fonctionner en conjonction avec des équipes et pour faire de la compétition et pour faire même des trucs un peu plus e-sportainment. Mais pour ce qui est vraiment, moi je vous parle vraiment de l'e-sport pur. Moi je pense que la bulle de manière générale, je sais pas, j'y crois moyen. Mais oui, la Team K-Corp là-dessus, ils surfent très bien sur ce format et je pense clairement que Zera veut être sur ce format-là. Parce que du coup, ouais, il a annoncé son équipe Valorant ce soir. Joli rattrapage. Non, mais c'est pas un rattrapage. C'est juste que moi, quand tu inscris la variable influenceur dans le mix, tu peux tomber sur un modèle qui sera équilibré en fait et qui sera pas juste
surpayer des gens qui te donneront jamais assez de retombées par rapport à ce que tu investis. Avec Heap, ah c'est cool, là c'est cool pour Heap. C'est cool, ça fait plaisir. Et après un joueur Overwatch, vous vous rendez compte? mais ouais. C'était son annonce de 20h. Ouais, ouais, ouais. Moi, perso, prendre une équipe e-sport Valorant, jamais j'aurais cru que ce soit quelque chose qui puisse être rentable. Pour moi, Valorant, c'est pas du tout un jeu qui marchera sur le long terme. J'ai absolument aucun espoir pour ce jeu en rayonnement e-sport. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Il est trop proche de CS et... Le jeu arrive pas assez à être, comment dire, hype en tant que simple, pur jeu qui existe par lui-même comme l'a été LOL. Et du coup, je pense que le jeu va galérer là-dessus. Donc, je sais pas. Après, moi, je dis, c'est cool qu'il fasse le move. C'est bien qu'il tente. Si ça le fait kiffer, c'est le plus important, en vrai. Il fait ce qu'il veut, en fait, à la base. Et s'il lance une équipe avec des joueurs cool et qu'ils font de la perf et tout, let's go. Et derrière, je pense qu'il a, un objectif long terme. Ça va pas s'arrêter à ça, nécessairement, je pense. Ça rayonne derrière, donc ça peut marcher. On se disait ça avec Overwatch. Mais c'est pas que la boîte qui fait le succès. Et Riot, aujourd'hui, ça va, mais on sait pas ce que ce sera dans quelques années. Regardez, vous avez des titans comme Blizzard qui peuvent se péter la gueule. Donc... on ne sait pas de quoi demain sera fait quant à l'avenir d'un jeu, ça jamais. Mais faut partir du principe que quand même Valorant est si proche de CS. Et en fait, je ne sais pas. Moi, je considère le jeu pas assez... Ça va être dur ce que je vais dire. Mais comparé à un LOL, je trouve pas que Valorant soit assez fun pour que un peu ton pote ou tu vois genre ton frangin ou quoi, genre essaye et se fasse plaisir assez vite dessus, tu vois. Alors que LOL, pour moi, me paraît plus accessible. Et je sais pas. Valorant, je sais pas. Je le sens pas pour... Je le sens pas. Je sens pas que c'est un jeu où les gens vont s'y mettre facilement, en fait. C'est tellement punitif, c'est tellement de... Mais punitif dans le sens frustrant, où genre, tu fais ton round, tu fais... Ah, t'es mort. Bon, bah, faut que j'attende. Genre, c'est chiant, quoi. Il y a ce côté vraiment chiant, quoi. Alors que LOL, c'est de l'action qui continue, tu restes, tout ça. C'est plus, je sais pas, il y a un côté plus fun. Valorant, t'es pas assez fun pour moi, pour vraiment percer auprès de masse. Et il a besoin de ça s'il veut devenir un jeu e-sport à succès. Avant, tu défendais toujours Blibli. Ouais. Et Blibli a changé. Donc, je suis pas employé de Blizzard. Je suis pas d'accord du tout. Moi, c'est le ressenti que j'en ai. Et quand je vois les viewership... je pense pas être totalement à côté de la plaque. Et je pense que je suis un peu dur avec le jeu aussi, parce que je suis de base pas fan de CS. Ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. On dit Microsoft maintenant. LOL est trop dur ces temps-ci. Bah, je pense que se mettre à LOL, non, ça va. Quand tu commences LOL, ça va. Et en général, les gens commencent LOL avec des potes et ça va. Mais moi, je vous parle purement dans le flow de gameplay. Moi, je trouve que Valorant, dans son flow de gameplay, va, je pense, décourager très vite les gens. Très vite. Étant joueur CSGO, Valorant, c'est un autre univers. Pas mon truc. Bon, après, là, c'est vraiment une question de goût et couleur, tu vois. L'époque où j'étais giga hypé par Valorant... L'époque où j'étais giga hypé par Valorant, pour être honnête avec vous, c'est pas que j'étais giga hypé, c'est que je voulais être hypé. Et je me mentais à moi-même au fond de moi. Et ça, je l'ai réalisé quand j'ai commencé à jouer au jeu, vraiment. Et en vrai... Quand j'ai dit cette fameuse phrase à Zera, qui est devenu célèbre, où je me retourne vers lui après notre première game et où j'en ai chié de ouf parce que c'était vraiment CS, mais avec des spells. Et je le regarde, je fais « c'est très CS quand même ». Dans ma tête, en fait, je savais déjà que j'allais en chier de ouf et que ça allait pas forcément être un jeu pour moi. Mais je voulais pas me le dire parce que je me disais « putain, c'est un jeu sur lequel je peux transitionner parce qu'Overwatch, c'est la merde, ça me saoule en ce moment, Blizzard font nimp ». Valorant, ce serait trop bien de transitionner là-dessus. Si ça marche bien et tout, je pourrais faire un peu la même pirouette. Je pourrais faire une pirouette. Et je réfléchissais comme ça. Et du coup, je voulais aimer le jeu. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on aura le plaisir de te voir sur Lost Ark? Lost Ark, peut-être. Peut-être pas, je vous tiens au courant. Stress CS. Alors que Total War. On ressentait que tu te cassais la tête dessus.
c'était plein de réflexes qui étaient contre nature pour moi, parce que à la base, moi, je suis un joueur de fast FPS et je m'emmerde à marcher dans un couloir pour pas faire de bruit et à faire un décal et à mourir en une balle. Ça me casse les couilles. Voilà. Moi, j'ai besoin de courir partout, de faire des switches d'armes, d'utiliser des mécaniques de mouvement qui te permettent d'être super dynamique, super rapide. Et comme ça que je m'amuse dans un FPS. C'est pas en marchant dans un couloir et je sais pas, en ayant le sentiment d'être en stress permanent, d'espérer de pas se faire décaler au mauvais moment, quoi. Voilà. Du Doom, du Tribes, du Quake, du Unreal. Voilà. Ça, c'est ma cam. Tu parlais viewership. Valorant est quasi tout le temps dans le top 5 des jeux sur Twitch. C'est vrai, ça? Valorant, aujourd'hui, est dans le top 5 des jeux sur Twitch? Même quand il n'y a pas des compétitions? Parce que la question aussi, c'est quand il n'y a pas de compétition, comment sont les viewership du jeu? Je suis pas sûr qu'il soit top 5 en permanence. Titanfall aussi, bien sûr. Titanfall, incroyable. Ça marche bien aux US. Ok. Il marche grave aux US. Parce qu'en Europe, j'ai pas l'impression. Est-ce que la hype Overwatch 1 va revenir avec le 2? Il faut que le 2 soit bien. Et il faut surtout que les devs aient un réel suivi. Et là, peut-être. Mais je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Comment dire? Un peu comme avec une ex où ils sont en mode dans leur tête c'est fini et bon ils pourront bien revenir avec Overwatch 2 mais dans leur tête la flamme est finie, la flamme s'est éteinte un peu, genre ils sont passés à autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation, donc ouais, je sais pas, on verra ce qu'ils vont nous faire avec Overwatch 2. On testera ça quand ce sera dispo, quoi. Bref, on va continuer la vidéo. Même si c'est des entreprises qui prennent de la valeur dans le temps, ils savent qu'elles ont du mal à dégager des bénéfices dans une industrie qui ne grossit pas toujours à la vitesse qu'on promet aux sponsors, et dans une période de Covid où c'est la croix et la bannière pour vendre des événements physiques ou même des tickets physiques. Ce qui est fort possible ici, c'est que l'Arabie Saoudite paye le prix de sa terrible réputation. Oh, vous voulez travailler dans l'e-sport, mais vous êtes des pestiférés et personne ne vous veut comme partenaire? Bah écoutez, je suis l'un des plus gros, je serai disposé à travailler avec vous à condition que vous rachetiez le tout, et ça va vous coûter. Ouais, ça va vous coûter vraiment beaucoup. Je dis pas que c'est forcément ce qui est arrivé, je dis que ça m'étonnerait pas. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite est prête à payer 1,5 milliard pour être dans l'e-sport? Bah, c'est probablement pour la même raison pour laquelle ils accueillent déjà 1 milliard de compétitions sportives en tout genre à Riyad chaque année. Ils savent qu'ils n'auront pas du pétrole pour toujours. Mais il se trouve que c'est très dur de se diversifier et de devenir un hub de finance quand les investisseurs de la planète entendent parler de toi que parce que tu as fait massacrer des dizaines de milliers de personnes au Yémen ou parce que tu as fait arrêter tes citoyens pour des trucs qui sont pas illégaux dans la plupart des pays riches. À partir de là, le deal est simple. Le royaume paye pour associer sa réputation à celle des athlètes les plus appréciés de la planète. Il faut diluer toutes les news de guerre et de persécution par des images de foule qui s'amuse et de soulèvement de trophées pour que les investisseurs reçoivent pas une image... C'est vachement bien écrit, hein, son format. Les organisateurs de tournois reçoivent des fonds et des installations 5 étoiles pour organiser leurs événements. Le royaume obtient d'être sur la même photo que Lewis Hamilton et bientôt Simple, et les athlètes reçoivent d'associer leur image à un pays qui est connu pour ses persécutions. Tout le monde ne peut pas gagner tout le temps. Un petit peu la même démarche qu'avec le Qatar, vous allez me dire, sauf qu'en vérité, le Qatar, ils étaient surtout terrifiés à l'idée de se faire envahir par leur beaucoup plus large voisin, qui se trouve être l'Arabie Saoudite d'ailleurs, de la même façon que c'est arrivé au Koweït par l'Irak, dans l'indifférence générale. Ce qui avait beaucoup moins de chances d'arriver s'il y avait une communauté internationale pour savoir qui ils sont et donc pour s'insurger. Donc, au fond, l'Arabie Saoudite investit dans le sport pour qu'on parle d'elle en bien, alors que le Qatar le fait juste pour qu'on parle de lui. Nouvelle histoire, celle-ci parle de sécurité dans les jeux Dark Souls. Ce streamer était tranquillement en train de jouer à Dark Souls 3. Soudain, il s'est fait envahir pour faire du PvP, normal jusque-là, et l'envahisseur était un hacker, malheureusement, normal aussi. Il y a tout un tas de sur les Dark Souls. Là où on a quitté vraiment très très vite le domaine du normal, c'est quand l'envahisseur a fait freeze son jeu, a forcé cette image à apparaître sur son ordi et donc à être affichée sur le stream, et a activé à distance la voix automatique de Windows pour faire lire un message sur le stream qui se moquait du niveau de jeu du mec. En quelques heures, les développeurs de Dark Souls sont prévenus et ferment les serveurs, ce qui est exactement ce que les hackers voulaient. Parce que ces gens n'étaient pas mal intentionnés. Ils avaient découvert cette faille il y a plus de 2 ans. Ils avaient essayé de prévenir From Software et ils avaient toujours été ignorés. Pourtant, le temps commence à passer. C'est bien ça que... Elden Ring allait bientôt sortir. Et ces gens savaient très bien que le networking de From Software est grosso modo le même d'un jeu à l'autre parce que leur faille, elle fonctionne à travers les différents jeux Dark Souls. Putain. Donc, il faut réaliser là qu'un studio japonais de taille quand même respectable vient de se faire sauver la mise, vraiment lourdement sauver la mise, par un petit groupe
de gens avec c'est des ouf, connaissances en informatique qu'ils ont ignoré pendant 2 ans et qui ont été obligés de sonner la sirène d'alarme. N'empêche, les mecs, enfin, c'est des boss parce que, bon, ils ont fait ça. Au final, le mec était en stream, ils lui ont pas mis une image qui peut le faire ban ou quoi. Ils l'ont trollé gentiment, en vrai. Bon, voilà. Ça a dû être traumatisant pour le streamer quand même. Hein. Mais ils l'ont trollé gentiment. Mais au moins, enfin, en vrai, c'est un... Enfin, c'est difficile à analyser parce que oui, ok, pour le streamer, ça devait être horrible. Moi, à la place du streamer, j'aurais été en mode, mais au secours, putain, il y a d'autres manières de se faire entendre, tu vois. Mais au moins, ils se sont fait entendre et au moins, ils se sont fait écouter. Mais putain, ils sont persévérants. Les gars, ça fait 2 ans qu'ils leur disent que c'est la merde. Ils se font ignorer par From Software et là, il faut faire ça, quoi. C'est... Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même des manières pour eux de faire passer le message de manière plus... sans traumatiser le streamer, tu vois. Parce que je pense que le streamer, il a dû être choqué par le truc. Il a dû se dire, putain, mais je me suis fait hack en plein live, au secours, tu vois. Il y avait probablement un moyen de le faire de manière plus, tu vois. Mais après, les mecs, s'ils ont zéro contact et tout, ils ont pas de... C'est vrai que quand tu te mets à la place de quelqu'un qui découvre ça, mais qui connaît personne et qui veut se faire écouter, c'est difficile de médiatiser le truc, tu vois. Donc, ouais. En hackant des gens en direct. Une vidéo qui a beaucoup tourné sur Internet ces derniers jours montre un groupe de personnes essayant de rentrer dans les mêmes parties de League of Legends que le streamer Sardosh pour essayer de ruiner ces parties. Quel C'est enfer. Une très bonne occasion pour parler du décalage de perception que la plupart des gens ont entre les torts qui sont causés dans la vraie vie et ceux qui sont causés sur Internet. La vidéo a été accueillie avec beaucoup plus d'hilarité que d'outrage, ce qui montre que même la foule de Twitter, pourtant habituée aux codes d'Internet, réalise pas vraiment ce qui se passe. C'est pas un peu du harcèlement, c'est pas une blague un peu lourde, pas un groupe de mecs en train d'être loup, c'est vraiment du harcèlement dans sa forme punissable par la loi. Et c'est pas caractérisé, mais seulement aggravé par le fait qu'ils sont 50 dans le coup, que ça dure depuis 2 ans, ou encore que ça affecte la capacité de leur cible à pouvoir travailler. Que dans cet exemple, travailler consiste à gagner des parties de League of Legends et que la plupart des gens aient encore du mal à prendre ce genre de situation avec sérieux, ne change au final absolument rien à l'affaire. Les mêmes faits, avec un cadre différent, ne se seraient jamais déroulés de la même façon. Si un beau jour dans un village, une 50aine de personnes empêchent un habitant de travailler, le village réagit. Et si la situation dure pendant 2 ans, ça se règle devant la justice. Justice qui est, dans cette situation, la solution évidente. Certains en appellent à la responsabilité de Riot ou de Discord. Mais entre le nombre d'utilisateurs qu'ont ces entreprises, la facilité qu'il y a à contourner les bans, et surtout le fait qu'aucune de ces deux boîtes n'a été créée pour protéger les gens, ces appels sont quelque peu vains. Le problème de fond qu'on a ici, c'est qu'un groupe de personnes avec la volonté de nuire à autrui sont capables de s'organiser. Internet a donné aux gens la possibilité de s'organiser et de communiquer sans coût ni effort. Donc quiconque a la volonté de nuire à quelqu'un sur Internet en sera toujours capable. Ce n'est pas sur la possibilité de nuire qu'il faut agir, c'est sur la volonté. Or, il existe des gens qui sont capables de retrouver ces individus et de leur infliger des sanctions de façon à ce que le côté volonté du problème disparaisse. C'est le système judiciaire. N'importe qui comprend qu'Internet fait partie de notre futur et qui aime plutôt bien vivre dans un état de droit est censé être d'accord que les règles qu'on applique dans la vraie vie doivent s'appliquer tout pareil sur Internet. Et donc, c'est notre rôle, non pas de rigoler à cette situation, mais juste de demander à nos services publics que cette affaire se termine par une enquête, puis des arrestations, puis un jugement, ce qui encore une fois peut paraître excessif quand on se dit qu'on parle de gens qui snipent quelqu'un sur League of Legends, mais qui en fait n'est rien de plus que la façon normale de terminer une affaire où un groupe de personnes en importune une autre pendant 2 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé ce wiki, c'était Review, à la prochaine. C'est vraiment cool ce qu'ils font MGG. Ouais, la partie par rapport à ce que Sardosh subit, moi je m'imagine pas, mais je l'ai subi un peu quand j'étais sur Overwatch. Mais pas du tout à cette échelle. Mais sur Overwatch, quand on faisait beaucoup de ranked et qu'on tryhardait les stream snipers, on en avait... Il y a des moments où on en avait vraiment quasi tout le temps. Locke en a eu beaucoup, énormément aussi. Et très vite, je me souviens, on en avait parlé avec Trauma du fait de se plaindre des stream snipers. Moi, j'ai dû faire un travail énorme sur moi pour essayer de ne pas me plaindre des stream snipers ou de ne pas soupçonner ça. Même si je le sentais quand ça arrivait et que au fond de moi, je me disais, putain, ça se voit que le mec stream snipe. Et putain, c'est dur. Putain, c'est tellement dur. Parce que t'es constamment, toi, en tant que streamer, à te dire, vas-y, si je commence à dire que je pense que le gars stream snipe, on va me dire que je suis de mauvaise foi, on va me dire que je suis de parano, on va me dire que j'essaye de trouver une excuse au fait que la game se passe pas bien. Et tu te retrouves dans ce questionnement en permanence, tu sais jamais si tu te fais stream snipe ou non. Et ouais, mentalement, c'est un enfer. Et c'est en partie pour ça que moi, j'ai arrêté Overwatch. Hein.
Moi, c'est en partie pour ça. Je vous assure que je suis extrêmement heureux d'être un streamer multigaming aujourd'hui et de ne pas être, on va dire, addict à un jeu compétitif comme Overwatch, sujet au stream snipe, parce que putain, quel cauchemar, quoi. Et je suis content d'avoir cette capacité à pouvoir voilà, me passionner de plein de jeux différents et pas rester un peu enchaîné à un jeu toutes ces années. Et vraiment, je sais pas comment ils font, Sardoche et d'autres même. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme Skyheart aussi, il est touché par ça. Je sais pas comment ils font. Hein. Je sais pas comment ils font. Je pense que... Enfin, par rapport à Sardoche, je pense que c'est quelqu'un de très fragile, en fait, par rapport au fait qu'il... Il pouvait pas s'empêcher de... En fait, il pouvait pas... Il avait du mal à se contrôler d'un point de vue émotion. Et le problème, c'est que à partir du moment où t'arrives pas à te contrôler par rapport à tes émotions, quand tu joues à un jeu compétitif et que tu veux être le meilleur et que tu veux performer, c'est là où les stream snipers sentent le... C'est les requins sentent le sang dans l'eau, en fait. Ils voient de l'émotion, ils voient de la réaction, ils te chopent, en fait, et ils te lâchent jamais. Et plus tu vas te plaindre de ça, plus tu vas rager... Plus tu vas montrer de l'émotion, des réactions fortes, et plus ça va les encourager, en fait. C'est un enfer. C'est un enfer. Et ce qui est difficile en tant que streamer, quand tu fais du jeu compétitif, c'est de lutter contre des émotions en permanence, de ne rien montrer, d'être le plus impassible possible. Et c'est trop dur. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des gens, ils sont trop forts. C'est des aliens. C'est des murs. Genre, regarde, bah, un exemple, Trauma. Le mec, il a un mental... Et il a un mental, c'est impressionnant, mais c'est surtout, il a un self-control et genre, il y a des gens, ben, ils sont trop forts pour ça, ils tankent. Il y en a d'autres, ben, ils sont plus émotifs et c'est plus difficile pour eux de tenir ça. Et ouais, forcément, ils sont extrêmement menacés dès qu'il y a du stream snipe parce que ben, les stream snipe, ils réagissent à quoi ? Ils veulent créer une réaction. Leur objectif, c'est leur manière d'exister, de se sentir un peu compté dans ce monde, c'est de créer une réaction chez le streamer qui est vu par tant de monde et de voir que leur action a eu un peu... c'est un peu jeter une pierre dans la mare et de voir les petites vaguelettes et de se dire « Putain, regardez toutes les vaguelettes que j'ai faites, quoi. » C'est un peu malsain, c'est très malsain même comme manière de penser, mais c'est ça qui les motive, c'est de voir ces réactions. Et donc, plus on en montre, plus c'est un enfer. Et forcément, quelle surprise de voir que le streamer le plus emmerdé par des stream snipes, c'est un des streamers les plus émotifs de la plateforme qui a les réactions les plus violentes, les plus fortes. C'est normal, en fait. Si Sardoche était un mur de base, s'il avait été codé comme ça, s'il avait été un mur de base, jamais il y aurait eu de Discord de Stream Sniper. Jamais. Si le mec était un mur et qu'il ne réagissait jamais au potentiel Stream Snipe, il n'aurait jamais eu un seul problème vis-à-vis de ça. Mais le truc, c'est que c'est pas quelque chose qu'on doit attendre de quelqu'un, qu'il soit codé comme ça. Parce que c'est juste notre nature profonde de réagir ou non, de manière émotive ou non. On peut pas se transformer en robot, en fait. C'est impossible. On peut travailler dessus. Moi, personnellement, j'ai travaillé dessus. Parce qu'on a l'impression que je suis assez chill comme ça. Mais je suis quand même un petit con, hein, je suis un petit teigneux sur les jeux. Genre, je me souviens, j'ai eu des phases sur Overwatch, quand j'y jouais beaucoup, où il m'arrivait de rager très très vite et de m'énerver très très vite. J'ai jamais été à insulter de manière toxique et tout dans des vocaux ou à être vraiment horrible dans un vocal. Mais juste, moi, derrière mon PC, j'étais vénère de fou. Ça m'est arrivé, notamment quand genre je voulais record des vidéos en mode je veux aller record une game en ranked. Je veux un peu une game qui se passe ok, genre où ça joue et tout. Et quand j'avais des games de merde, quand ça se passait mal, ça me rendait tellement fou. Ça arrivait à me déclencher. Et genre, j'ai vraiment dû faire un énorme travail sur moi. Sur Overwatch, c'était super dur. Super dur. Vraiment, pour le coup, le jeu m'a vraiment appris à relativiser, à contrôler un petit peu la manière dont je réagis aux choses et tout. Mais tu peux pas attendre ça de tout le monde. Genre, et puis, moi aussi, c'est un choix. C'est parce que j'avais pas envie d'être rageux en stream et tout. J'avais pas envie de transmettre cette énergie en stream aussi. Moi, je veux transmettre du truc positif. Je veux pas... Quand quelqu'un qui rentre de son taf, il se dit « bah vas-y, je vais regarder un stream », je veux pas qu'il voit un gars qui chouine, qui est surpayé et qui chouine parce qu'il n'y arrive pas à son jeu et qu'il n'a pas une bonne game. Genre, je sais pas ce que je voulais transmettre. Parce que pour moi, mon stream, c'est pas ça. Mais ça, c'est quelque chose qui me regarde moi. Et chacun a une vision différente de son stream à lui. Voilà. Mais ouais, les stream snipers, bien sûr, c'est un vrai problème. Ça restera un problème. Et le problème, c'est que tant que les streamers ont des réactions, bah, ils seront là.
Et évidemment, si on peut faire en sorte que bah, il soit puni pour bah, toutes ces actions de harcèlement, oui, oui, de ouf, oui. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Mais ouais. Tu penses que tu es surpayé ? Non, mais quand je dis surpayé, c'est pas genre en mode trop payé. C'est en mode très bien payé pour faire sa passion. Enfin, genre, oui, il y a du travail derrière ce que je fais, derrière tout ce qu'on fait. Mais ça reste quand même un job... je suis trop heureux. Je suis trop heureux de ma situation. Genre, c'est trop bien ce qui se passe pour moi, tu vois. Genre, voilà, vu tout ce qui se passe dans ma vie, c'est trop bien. Je dis, putain, je vais pas être là à envoyer des ondes négatives alors que je fais ce que j'aime et que je vis de ma passion, quoi. Putain, non, quoi. Mais ouais, c'est pas l'usine, je pense, que la plupart des streamers pro en ont conscience. Par contre, pas mettre dans le même panier les stream snipers qui veulent juste jouer une fois avec celui qu'ils adorent et ceux qui s'organisent pour throw les parties. Alors, oui, le problème, c'est que quand on croise quelqu'un qui nous reconnaît dans une game, on n'a aucune idée de quel bord ils sont, en fait. Et le problème, c'est que les gens peuvent être très vicieux. Bah oui, connard. Ils se font passer pour un mec qui est bienveillant, mais en scred, ils sont juste là pour te casser les couilles, en fait. C'est très dur. Genre, comment on est censé réagir ? On ne connaît pas la personne. La personne qui nous trouve dans la partie nous connaît. C'est facile pour elle. Très facile. Elle a le rôle facile. Elle nous regarde, elle connaît nos réactions, elle connaît comment on joue, connaît notre niveau de jeu. Nous, on n'a aucune foutue idée de ce que cette personne est. On ne sait pas si elle est bien ou mal intentionnée. Donc forcément, on est sur la défensive. Forcément, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas ne pas être sur la défensive. Sinon, on se fait prendre pour un con. Très facilement. Mais ouais. On a tous connu les compilations YouTube de random en mode j'ai tué 4 fois Shroud sur Daisy. Mais ouais. Ouais. Non, c'est relou. C'est relou. Mais ouais, vachement bien en tout cas, MGG France. Je m'abonne. C'est vraiment pas mal. Je me demande s'il n'y a pas. La plus grande énigme du jeu vidéo, le secret de Trials Evolution. J'ai envie de regarder celle-là maintenant. Vas-y, je vais regarder ça. Let's go. Si vous avez regardé une conférence Ubisoft à un moment ces dernières années, vous avez probablement vu un jeu Trials. Mais savez-vous que les gens de chez Redlinks, le studio derrière Trials, aiment les énigmes, avec une passion à la limite du bizarre, et que travailler sur des jeux de moto les a pas empêchés de mettre dans leur jeu une énigme qui est probablement la plus ambitieuse que j'ai vue dans un jeu vidéo à ce jour, une énigme qui a commencé il y a bientôt 10 ans, qui continue encore aujourd'hui, et qui prendra fin quand vous, moi, et probablement tous ceux qui verront cette vidéo, seront déjà morts. Ok, alors en 2009, Trials HD a débarqué sur Xbox 360. C'était fun, c'était rapide, c'était très bien, mais c'était aussi rempli d'éléments qui dénotaient dans un jeu de moto. En cherchant bien à travers les niveaux, on trouvait des numéros, des phrases, des chiffres romains, des constellations, même des partitions musicales. C'était la première tentative d'énigme de Redlinks, et à l'époque, ça n'a pas marché du tout. Pour une raison que je ne peux pas expliquer autrement que, bah, ils n'avaient pas vraiment compris c'est quoi une énigme à l'époque. Ce qu'il fallait faire, en fait, c'était comprendre que tous ces éléments cachés faisaient référence à de grands hommes et femmes de l'histoire des arts et des sciences, comprendre tout seul que ce qui les unit tous, c'est qu'ils ont passé toute leur vie à se poser des questions, et donc en déduire que la réponse de l'énigme, c'était le mot « question ». Bon, à la fin, ça n'a pas intéressé grand monde, Redlinks eux-mêmes ont dû aider les quelques membres de la communauté qui restaient à finir l'énigme, et quand quelques journaux spécialisés ont parlé de l'affaire, la réponse globale de la population, c'était « c'était pas ouf ». Mais... Redlinks aurait pu juste s'arrêter là. À la place, ils ont step up. Et je vous préviens d'avance, vous avez rarement vu un step up dans ces proportions-là. Trials Evolution est sorti 3 ans plus tard, et ça a commencé de la même façon, avec des suites de mots étranges répartis dans plein de niveaux. Bon, les joueurs les ont tous trouvés assez vite, et quand ils les ont mis ensemble, ça a donné ça. Ça veut rien dire, mais c'est un début, et surtout, ça a l'air crypté. Le message est bel et bien crypté, et la façon dont les joueurs l'ont déchiffré est vachement cool, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est vachement cool, faut que je vous explique 2 ou 3 trucs cool sur les cryptages. L'une des formes d'encryptage les plus basiques s'appelle le cryptage César. On prend un mot, ou une phrase, et on décide qu'on va remplacer chaque lettre par celle qui vient après dans l'alphabet. On peut aussi les remplacer par celle qui vient 5 places après ou 5 places avant, mais du moment que toutes les lettres ont le même décalage, c'est du cryptage César. Le cryptage César offre très peu de sécurité parce que si vous parlez la langue dans laquelle est écrit le message crypté, il y a des mots qui sont très faciles à reconnaître parce que les répétitions de lettres et la longueur des mots sont toujours là.
Pire encore, comme toutes les lettres ont le même décalage, il suffit que vous arriviez à craquer un mot pour trouver de combien elles sont décalées, et à ce moment-là, vous avez craqué. Du chiffrement, pas du cryptage. Okay. Ça marchait pour Jules César, qui a donné son nom à ce cryptage, parce qu'il l'utilisait pendant la guerre des Gaules et que les Gaulois comprenaient très très mal le grec. Cette principale faiblesse des mots trop faciles à reconnaître est comblée dans l'étape au-dessus, le cryptage vigenère. Parce que le cryptage vigenère fonctionne avec une clé. La seule obligation de cette clé, c'est qu'elle doit faire la même longueur que le message à encrypter, parce que chaque lettre du message à encrypter doit fonctionner de pair avec une lettre de la clé. Une fois qu'on a notre clé, on utilise ça, la table de Vigenère, et c'est extrêmement simple. Si la première lettre de mon message à encoder c'est un P, et que la première lettre de ma clé c'est un J, on regarde au croisement de la colonne P et de la ligne J, et on trouve Y. Donc mon P apparaîtra comme un Y dans la version cryptée du message. Comme chaque lettre du message à encoder fonctionne avec une lettre différente dans la clé, elles sont toutes décalées d'un nombre différent. Mais soudain, c'est plus possible de reconnaître des mots. C'est vraiment un lamentin qui fait un abdo. Quand on essaye de décrypter le fameux code de Trials Evolution, ça ne donne rien d'essayer de reconnaître des mots à la répétition de leurs lettres. Donc il apparaît très vite qu'il a été crypté via Vigenère. Très bien, plus qu'à trouver la clé. Sauf que la clé, la communauté l'a jamais trouvée. Bon, c'est pas tout à fait vrai, ils ont fini par trouver la clé, mais des années et des années plus tard, parce que la façon de l'obtenir était si horriblement tordue, si machiavélique, qu'à l'époque où ils se cassaient la tête sur l'énigme, ils ont trouvé ça plus facile de contourner le fait de pas avoir la clé que d'aller trouver la clé. Bon, après, par pure curiosité, je vais quand même vous dire comment on trouve la clé. Il faut aller sur ce circuit bonus qui s'appelle Moneyball, où vous contrôlez une sphère à la place d'une moto, rentrer le Konami code, hein, gauche-droite, tout ça, ça vous téléporte sur ce damier, et là, vous devez représenter les nombres de la suite de Fibonacci avec votre sphère. La suite de Fibonacci, c'est juste la suite de nombres qu'on obtient quand on commence avec 0 et 1 et qu'on trouve le nombre d'après en additionnant les deux derniers nombres qu'on a. 0 et 1, 1, 1 et 1, 2, 1 et 2, 3, 2 et 3, 5, et ainsi de suite à l'infini. Okay. C'est une suite qui est extrêmement célèbre parce qu'elle est extrêmement pratique. Il y a des architectes qui s'en servent pour construire des bâtiments, il y a des traders du dimanche qui s'en servent pour savoir quand acheter des bitcoins. Bref, c'est utile. Et donc nous, on doit aller sur Moneyball, prendre notre babal, ignorer le 0 et dessiner 1, 1, 2, 3, 5, 8. Et voilà, la clé que je vais vous flouter pour pas vous spoiler la suite de l'histoire. Maintenant, réalisez que si je vous dis d'aller sur le niveau de rentrer le Konami code puis la suite de Fibonacci, bon, c'est pas trop dur, mais pour réaliser dans l'instant que c'est ça que le jeu attend de vous sans le moindre indice, c'est quasiment impossible. C'était tout simplement machiavélique et à l'époque, personne n'a trouvé. Mais ça les a pas arrêtés. Très bien, donc on retourne pas longtemps après la sortie de Trials Evolution, quand la communauté a compris que c'était un code en vigenère, mais qu'elle a pas de clé. Et là, elle se dit, ok, pas de clé, va falloir être malin. Regardons le message encrypté. L'encryptage vigenère empêche les répétitions de lettres, mais il ne cache ni la ponctuation, ni la longueur des mots. Et si on regarde la dernière partie du message, on voit une suite de mots courts, séparés par des virgules. Et si vous avez grandi avec les jeux vidéo, quand vous voyez ce type de phrase, vous pensez forcément à une série d'inputs. À partir de là, il va falloir faire des essais et avoir de la chance. Putain, malin. Si on part du principe que le tout dernier mot du message crypté, c'est « write », c'est la bonne longueur de lettre et ce serait logique dans une série d'inputs, et ben pour passer de L, Z, H, H, G à « write » avec une table de Vigenère, il faut que la clé, ce soit « urban », U-R-B-A-N. C'est extrêmement intéressant parce que « urban », c'est une suite de lettres qu'on trouve dans la langue anglaise. Il y a des mots qui contiennent « urban ». Ça, ça voudrait dire que Red Lynx, ils nous ont peut-être pas donné la clé, mais ils nous ont laissé une chance. Parce que leur clé, c'est pas une suite aléatoire de lettres. Ouais. C'est une phrase. Et vu leur passion pour les références historiques en tout genre, on serait même prêt à parier que c'est une phrase célèbre. En continuant à faire exactement le même genre d'essai, en partant du principe que les mots à la fin du message, c'est des trucs comme up, down, right, left, on finit par avoir un bout de la clé qui dit « case no mechanical disturbance ». L'étape d'après consiste tout bêtement à faire un CTRL-C, CTRL-V sur Google et tada! Naturally, in this case, no mechanical disturbance of the system under examination can take place in the crucial stage of the process of measurement. Une réponse du physicien Niels Bohr à Albert Einstein lors d'un célèbre débat sur la physique quantique. On a la clé. Excellent. Okay. Maintenant qu'on a la clé, on peut déchiffrer l'intégralité du message. Et c'est une suite d'instructions, tellement précise qu'aucun joueur aurait pu les déclencher par hasard. Il faut prendre une moto spéciale sur un niveau spécial, s'arrêter sur un rocher, rentrer une série d'inputs, et là, ça aurait pu être la fin de l'énigme. On aurait pu avoir un petit message de félicitations, gagner un skin pour une moto, on aurait été très content. Mais non. Parce que ce qui se passe, si on suit cette série d'inputs, c'est qu'une cinématique se lance,
La nuit tombe et une dame, une chanteuse, chante la suite de l'énigme. What? Putain, what the fuck? Wake up and listen, the secrets are hidden in the brighter toes. Your ears may not catch them, you might have to transform it into a visible form. Ouais, c'est un peu moins. By the way. 4 minutes! Elle est ouf la musique! Du coup, bah, on fait ce que dit la dame, on prend la musique, on la met sous forme physique, ce qui veut dire jeter un coup d'œil à son spectrogramme, et on trouve ce passage avec des temps courts, des temps longs et des pauses. C'est clairement du morse, et que dit ce passage en morse? Il dit « va checker les autres musiques ». Super. Du coup, on prend le reste de l'OSC du jeu, on jette également un coup d'œil à son spectrogramme, et dans une autre musique, on trouve un autre passage en morse qui, lui, emmène vers un site internet, fixedpatternsandcode.com. Sur ce site, 26 dessins différents attendent la communauté, et dans le site, certains de ces dessins arrangés dans un ordre bien particulier avec des espaces. Donc on doit très clairement trouver une phrase, et la question c'est quelle lettre se cache derrière chaque croquis. Bon, ce passage de l'énigme est relativement simple, c'est un alphabet des grands scientifiques, c'est pour ça qu'il y a 26 symboles. Chaque dessin représente une pointure du monde scientifique, et chacun d'entre eux avait un nom de famille qui commence par une lettre différente. B pour Bohr, E pour Einstein, il y a Newton, il y a Schrödinger, et ainsi de suite. En suivant ce qu'on vient de trouver, notre phrase finale tout en bas du site dit « Big freeze with no complete end ». C'est une référence à l'une des théories probables de la fin de l'univers, le grand froid, quand toutes les étoiles auront fini par s'éteindre et que la vie aura disparu depuis bien longtemps. Donc on rentre, la réponse « Big freeze with no complete end » dans la barre de recherche tout en bas du site, et là, on arrive là. Gardez ce que vous trouvez, ne le perdez pas, transmettez-le. Non, ça c'est très bien, mais c'est surtout la suite de la page qui nous intéresse tout de suite, parce que c'est le moment où l'énigme prend une ampleur complètement nouvelle. Car ça, c'est des coordonnées dans la vie réelle. Où c'est qu'on va, du coup ? Mais quoi ? Ils ont dû se taper les barres, des barres, les devs. Ils ont dû se taper des barres à faire ça. Ouais, c'est trop bien. Putain, Ciné, SF. Oh, je suis allé là, c'est beau. Trop bien, San Francisco. What? Le mec, il a déterré ça. Dans le port de Sydney, dans un parc à San Francisco et dans un cimetière à l'extérieur de Bath, trois boîtes sont découvertes. Et certaines donnent l'impression qu'elles sont là depuis longtemps. Helsinki va être un tout petit peu plus technique, les coordonnées pointent pas vers un coin perdu, mais sur l'adresse d'un célèbre journal gaming finlandais qui s'appelle Pelaaja. Lorsque le premier membre de la communauté arrive sur place, un employé du journal lui remet ce croquis. Mais après analyse, il représente une île logée en plein cœur de Helsinki, c'est là qu'on trouve la quatrième boîte. Dans chacune de ces boîtes se trouve une clé et une plaque. À l'avant de la plaque, on peut lire un message qui se traduit en gros par « il me semble que c'était il y a une éternité ». Mais c'est le message à l'arrière qui nous intéresse. À midi, en l'an 2113, le premier samedi d'août, l'une des cinq clés ouvrira la boîte sous la tour Eiffel. En 2113. Très bien, mais on a deux problèmes. Déjà, ça dit l'une des cinq clés, et nous, on nous a filé que quatre coordonnées, et on a déterré que quatre clés. Mais surtout, ça dit 2113. Pour percer la phase finale de l'énigme, faut se pointer avec la bonne clé sous la tour Eiffel, le premier samedi d'août de l'an 2113. Mais tout le monde sera mort, quand même. Super. Ça veut dire que les joueurs qui ont participé à percer cette énigme jusque-là ne seront plus là pour assister à la phase finale dans 92 ans. Personnellement, à ce moment-là, j'aurais 117 ans et je serais probablement pas en état d'aller faire une balade sous la tour Eiffel. C'est vicieux de faire ça. Encore, genre le dans 20 ans. Le cerveau derrière cette énigme démoniaque, c'est j'ai cru que c'était moment. Directeur Red Links, j'ai cru que c'était moment. Il y a le 3 en moto pour faire la promo de Trials. Lui non plus sera pas là pour voir la fin de son œuvre, mais quelques temps après que les clés aient été trouvées, il s'est rendu sous la tour Eiffel pour y rencontrer un membre de la communauté et pour confirmer que ce n'est pas une arnaque, que toutes les dispositions ont été prises et que celui qui se présentera avec la bonne clé le jour dit mettra fin à l'énigme. C'est un pari extrêmement risqué de la part d'Anti. Même en acceptant l'hypothèse hautement improbable où les propriétaires des clés ne les perdent pas et parviennent à les transmettre de génération en génération, ça fait tellement de temps. Si on prend le moment en 2013, quand on a débloqué le site Fixed Pattern & Code et on en a lancé le compteur des 100 ans et qu'on revient 100 ans en avant à partir de là,
Il n'y avait même pas encore eu une seule guerre mondiale. En 100 ans, la tour Eiffel peut être détruite 5 fois et remplacée par 5 bâtiments différents. Les gens chargés par Anti d'amener la phase finale de la tour Eiffel peuvent oublier leur mission 5000 fois. Si c'est une société ou une organisation, ils peuvent fermer 50 fois. Marseille pourrait redevenir un club décent d'ici à la date du rendez-vous. Vous vous rendez compte ? Vous vous dites peut-être que ça fait très retour vers le futur comme histoire, mais même retour vers le futur a pas osé faire livrer une lettre à la fin. Il y a juste écrit GG. Meilleur film. Ce qui veut dire que ce que Anti est en train d'essayer de faire paraît improbable à des mecs qui écrivent des histoires sur des voitures qui voyagent dans le temps. C'est peut-être pour ça que la cinquième clé existe. Parce qu'on a trouvé la cinquième clé. Quand l'épisode d'après, Trials Fusion, est sorti en 2014, il y avait une surprise dans la liste des succès. La cinquième clé est virtuelle, elle est dans l'éditeur de niveau de Trials Fusion, et ça pourrait être une mesure de sécurité, parce que si la bonne des clés physiques est perdue, vous savez, à un moment pendant le prochain siècle, eh ben, il se pourrait que n'importe qui avec une copie de Trials Fusion puisse terminer l'énigme. Bon, après, ça demande de garder une copie fonctionnelle de Trials Fusion et une machine sur laquelle il peut tourner pendant 100 ans, donc ça n'a rien de simple non plus, hein. Et puis de toute façon, c'est juste une spéculation. Mais... si ça se trouve, la bonne clé a déjà été jetée au fond d'une rivière, et c'est déjà foutu. Mais, il y a un monde improbable et assez merveilleux, où dans 92 ans, quelqu'un tiendra une vieille clé d'un grand-père ou d'une arrière-grande-tante, et où cette personne se retrouvera sous la tour Eiffel parce que ce grand-père ou cette arrière-grande-tante l'aura accablé de vieilles histoires avec du code en visionnaire dans un jeu de moto vieux d'un siècle. Et peut-être que ce jour-là, les gens d'Anti n'auront pas non plus oublié leur mission et qu'ils seront là. Et à ce moment-là, Anti Il Vesuo, qui est clairement l'un des directeurs créatifs les plus uniques de l'industrie, aura réussi à créer un quasi-miracle. Mais y a pas un bail où ils peuvent genre faire une impression 3D de la clé dans l'éditeur de niveau ou un truc comme ça ? Y a peut-être un truc comme ça, non ? Mais c'est cool comme histoire, c'est cool qu'ils aient fait ça. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Mais j'en avais entendu parler de cette du bail que c'était en gros... ça allait être dispo que dans des dizaines et des dizaines d'années, quoi, et qu'on serait plus là, quoi. Il a raison, il aurait fait un miracle. Ouais, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment bien, en tout cas, ce qu'ils font. Pour ceux, du coup, qui connaissent pas, donc c'est MGG France. Du coup, c'est la chaîne de Millennium, en fait. Je savais pas. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, c'est vraiment bien. Pour le coup, Review, ouais, il est chaud. Hein. Il fait vraiment du super bon taf. Hein. Il fait du très très bon taf. Je découvre pour le coup, je connaissais pas du tout. Il a fait le succès de Tarkov. Ouais, le secret de Demon's Souls découvert. Secret de Demon's Souls découvert, on va la regarder. Puis ça sera la dernière qu'on regardera pour la soirée. Il se fait un peu tard. Mais ça, celle-ci, j'en avais déjà parlé en stream. Très très cool comme... Comme petit easter egg. On va regarder ça ensemble. Quand les premiers joueurs ont mis la main sur le remake de Demon's Souls, ils sont rapidement tombés sur une porte cachée derrière un mur illusoire. De base, c'est pas vraiment surprenant, il y a plein de murs illusoires dans les Souls. Sauf que celui-là, déjà, il était pas dans le jeu de base, et surtout, quelques jours après, tout un tas de joueurs avaient terminé la vidéo sur la Corée est dingue. On avait encore réussi à... On regarde celle-là avant d'aller dodo. Un challenge, hein, s'est dit la communauté. Très bien. Les streamers changent à ce moment-là le titre de leur stream de « On découvre Dark Souls Remaster, trop bien, abonne-toi » à « Comment ouvrir la porte secrète ?» Et l'enquête démarre. En utilisant le mode photo, il apparaît très vite que la porte mène sur un balcon sur lequel gît le corps d'un chevalier. Certains petits malins tentent tout simplement de contourner la porte, en grimpant sur les toits du niveau et en relançant le jeu à plusieurs reprises pour faire glitcher leur personnage au sommet des murs. Ils arrivent jusqu'au balcon, hein, mais Bluepoint a été plus malin qu'eux, et le balcon est encerclé par une barrière invisible. Pendant ce temps, Bluepoint utilise son compte Twitter pour narguer la communauté. I wish you were here. Montrant l'inaccessible. Je me souviens ça, je jouais au jeu quand il y avait eu ce mystère. Un joueur ce est mystère. Tranquillement en train de traverser un niveau. C'est trop bien quand, comme. Tout d'un coup, en roulant sur une pièce en bois, il ramasse un objet dont il a jamais entendu parler. Une pièce en céramique. Ça n'existe pas dans la version de base, se dit-il. Alors il la poste sur YouTube. Sauf qu'il a 9 abonnés. Du coup, il la poste plutôt sur Reddit. Et la Reddit se dit « Oh, misère !» Quand ils ont remaster Shadow of the Colossus il y a 2 ans, les devs de Bluepoint ont ajouté 79 pièces d'or, qui une fois collectées débloquaient l'étape finale d'une enquête mythique qui occupait les fans du jeu depuis près de 12 ans. D'ailleurs, je me permets de vous recommander ma vidéo sur le sujet. Et là, la communauté se dit « Bon sang, est-ce qu'on va vraiment devoir rassembler 79 pièces de céramique ?»
Et il y a autre chose qui étonne les gens sur Reddit. Comment ce gars-là peut-il être le premier à trouver la pièce? Il y a probablement des centaines de joueurs qui ont marché sur cette caisse déjà. L'astuce, c'est que lui, il joue en mode fracturé. Un mode bonus où la gauche et la droite sont inversées. Un peu comme ce que Twilight Princess avait fait à l'époque entre les versions Wii et GameCube. Sauf qu'à l'époque, Zelda l'avait fait pour que Link puisse devenir droitier, alors que Demon's Souls l'a juste fait pour la déconnade. Tout le monde se précipite en mode fracturé, et là, le mystère s'épaissit plus encore. Là où un streamer trouve une pièce, un autre ne voit rien du tout. On craint pendant quelques heures qu'elles n'apparaissent aléatoirement, et puis en recoupant les statistiques de tout le monde, on réalise que certaines pièces n'apparaissent que dans les mondes blancs, et d'autres dans les mondes noirs. C'est une mécanique du jeu, en effectuant de bonnes ou de mauvaises actions, on peut changer un peu la façon dont le niveau fonctionne, ça s'appelle avoir un monde noir ou blanc. Donc résumons, les pièces de céramique apparaissent en mode... Se faire assassiner sauvagement en forme humaine, c'est une mauvaise action, ok. Mode fracturé seulement sous certaines conditions d'alignement. On sait pas combien il y en a, on sait pas quoi faire avec une fois qu'on les a ramassées, et on sait même pas si elles ont un rapport avec la porte derrière le mur illusoire. Parfait, on progresse. Oui, je sais que tu es les PNJ, ça compte aussi, pour la tendance noire. Généralement dans un Souls, quand on sait pas quoi faire d'un objet, c'est une bonne idée d'aller voir le corbeau. Il est présent dans tous les Souls, il a toujours une petite voix adorable. Shiny! Et si vous déposez un objet dans son nid, il vous l'échangera parfois contre quelque chose d'autre. Malheureusement, ceux qui ont déjà déposé une pièce de céramique dans le nid du corbeau se sont juste vus rendre la même pièce. On dirait qu'il nous manque quelque chose. Les pièces se stackent. C'est rare les objets qui stackent dans un Souls. Dans ces jeux-là, si on a deux fois la même épée, elles prennent juste deux places dans l'inventaire. Les seuls objets qui se stackent, c'est ceux qu'on doit utiliser en grande quantité. Et les devs les ont rendus stackables pour qu'on puisse en déposer beaucoup d'un coup. Peut-être que le corbeau attend juste plus qu'une seule pièce, mais combien? Pour trouver la dernière pièce du puzzle, faut retourner voir le tweet de Bluepoint. Une symphonie de rumeurs. Est-ce que Sony avait pas annoncé que pour fêter le remaster du jeu, ils allaient préparer un arrangement symphonique de la musique de Demon's Souls? Elle est trop bien la musique. Ça va sortir quand ça déjà? Et ben voilà. Le streamer qui mène l'enquête s'appelle Distortion 2. C'est un speedrunner qui connaît par cœur les jeux From Software, et cette nuit-là, au cours d'un stream de plus de 8 heures, il va retourner chaque centimètre carré du mode fracturé, et avec l'aide des internautes qui lui partagent leurs trouvailles, il va finir par avoir 26 pièces de céramique. Oh! Ça, j'avais regardé la rediff. Oh, just got a key! C'était ouf. Contre 26 pièces, le corbeau offre une vieille clé rouillée qui ouvre une porte cachée derrière un mur illusoire. Sur le corps du chevalier gisant sur le balcon se trouve l'armure du pénétrateur. Elle est un trop chevalier bien. Qu'on rencontre en jeu et dont l'armure avait beaucoup impressionné les joueurs lors de la première sortie du jeu. Tout le monde la voulait. 10 ans. Ouais. On peut encore voir des posts très vieux se demandant si son armure est trouvable en jeu, des posts qui ont reçu tout un tas de réponses plus ou moins farfelues. Voilà un dénouement qui ressemble beaucoup à celui de Shadow of the Colossus. Apparemment, Bluehole aime donner vie à de vieilles légendes. Ouais, c'est vraiment bien. Ils sont cool, Bluehole, là-dessus. Parce que quand ils font un remake, ils font ça vraiment de manière... Enfin, vous voyez, genre, ils essayent vraiment de faire en sorte qu'il y ait l'esprit, il y ait le remake qui fasse honneur. Et en plus, ils mettent un petit... Tu sais, ils prolongent la magie, quoi. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Le pays qui fait transpirer les joueurs pros depuis 20 ans. Ok, on va regarder cette vidéo-là et ensuite, on va finir le live. On va regarder ça par rapport aux joueurs coréens. Là, pour le coup, je suis curieux de voir celle-ci parce que vous êtes nombreux à en avoir parlé dans le chat. Merci, Shori, pour les 36 mois, 3 ans de soutien. Merci, BFX aussi, pour les 29 mois de soutien. Ishsama pour les 9 mois. Yeldo pour les 8 mois. Yes, les 8 mois. Merci, Alpha, pour tes lives. Toujours aussi cool. Merci beaucoup. Merci Valion aussi pour le Prime, Neo Luni Live, Soul Stream pour les 6 mois. Une soirée très intéressante, parfaite pour un vendredi soir. Je vais enfin profiter de mon week-end. Rendez-vous à la Warbrem pour un Chaos Knight badass. Nice mec, très bon choix. Merci le Viking Flamboyant aussi pour les 4 mois. Lucius Silius aussi 8 mois. Shaxra, Ormani. Merci Irion aussi pour les 15 mois de soutien en tier 2. Asburns aussi, Leopardo, JB, Hurricane, Tazuku, Azagdoum, pardon. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, il a peut-être dit Bluehole à la place de Bluepoint, il est vrai. Il est vrai. Bon, allez, let's go, regardons ça. Voilà les territoires avec des franchises en Overwatch League. Voilà la Corée et voilà l'importance de la Corée.
en Overwatch League. Cette compétition, organisée par des Américains, en grande partie avec de l'argent américain sur un jeu américain dont 13 licences représentent des villes ou des États américains et une seule représente une ville de Corée, a à la fin 57% de joueurs coréens. Pourquoi ? Celle-là, elle est facile, c'est parce qu'ils gagnent. Si on prend les 4 équipes à avoir jamais remporté une saison d'Overwatch League, leurs effectifs, en moyenne, étaient à 80% coréens. Mais peut-être qu'Overwatch est une exception, peut-être que les Ricains sont juste nuls à Overwatch et que la Corée adore particulièrement ça. Il y a peu de chance, mais juste pour être sûr, on va jeter un coup d'œil à un jeu avec une population un peu plus large. Un élément de sa phrase, c'est vrai. Je vous laisse deviner le jeu. Okay. 29 pays différents ont envoyé des joueurs aux Worlds de League of Legends cette année et à la fin, c'est la même. Les chiffres sont complètement déséquilibrés en faveur d'une seule nation parce qu'il y a 31% de joueurs coréens. 31% au début, qui deviennent 40% quand on passe à la phase de groupe, puis 55% en playoff. Et pourtant là, il y a vraiment tous les serveurs de la planète, hein. C'est-à-dire quasiment tout le monde joue à League of Legends sur Terre. Il nous manque l'Afrique, il nous manque le Moyen-Orient, dans une certaine mesure il nous manque l'Inde, encore que c'est pas vraiment vrai parce que les joueurs indiens jouent sur les serveurs d'Asie du Sud-Est. Donc merci, voilà, à l'exception de l'Afrique et du Moyen-Orient, on a vraiment toute la planète qui participe au Worlds. Maz et Achab, à la fin, quand on arrive au play-off, quand c'est vraiment le top du top, la crème de la crème, plus d'un joueur sur deux viennent de cette petite nation d'à peine 100 km². Comment c'est possible? C'est un phénomène qui fascine pas mal les Occidentaux, qui se sont fait, au fur et à mesure des années, une image mentale de la Corée, comme quoi c'est un pays qui est hyper acceptant du jeu vidéo, comme quoi c'est normal parce que là-bas ils prennent le truc super au sérieux, c'est pas juste un passe-temps, c'est une vraie discipline, l'e-sport c'est limite leur sport national, les pro-players sont traités comme des stars, ils font des pubs, ils sont vus comme des idoles. Bon, mettons fin à ça tout de suite, c'est des observations qui sont soit extrêmement exagérées, soit tout bonnement fausses. Le sport national là-bas, c'est le football, et dans une moindre mesure, le baseball et le basket. C'est des disciplines qui sont plus hype que l'e-sport, mais vraiment infiniment plus hype que l'e-sport. Le stigma qui a eu en Occident ces 20 dernières années... Quand j'y suis allé, j'étais pas du tout aspergé d'e-sport dans tous les sens. On retrouve exactement le même en Corée. Faut vraiment aller dans les pichy bangs. Si un adolescent coréen dit à ses parents « j'ai plus besoin de faire des études parce que je vais devenir joueur professionnel de jeux vidéo », il va prendre la même réponse que si on essayait ici avec des parents occidentaux. Il va probablement prendre pire même comme réponse vu l'importance qu'ont les études dans la société coréenne. On va le voir ensuite. Ces toutes dernières années, on pourrait de fait argumenter sans trop exagérer que Faker a atteint le rang de star. Lui, c'est vrai qu'il pourrait pas sortir dans la rue sans escorte et on le voit faire des pubs avec des stars de foot qui, encore une fois, sont nettement plus populaires que lui. Mais... vraiment, déjà, il est populaire qu'auprès des jeunes. La génération d'avant et la génération d'avant, elles en ont rien à carrer de Faker. Ensuite, il est une exception. Aucun autre joueur e-sport n'est ne serait-ce que proche de son statut. Et surtout, c'est pas la popularité de Faker entre 2017 et 2022 qui explique pourquoi il nous goumait sur StarCraft il y a 20 ans. Hein. Les joueurs coréens de StarCraft il y a 20 ans, ils n'étaient pas adulés par la foule. Personne n'en avait rien à carrer d'eux et ils nous massacraient quand même. Donc l'explication est ailleurs. Tout ça pour dire que de façon générale, à l'échelle du pays dans son entièreté, la Corée en a pas beaucoup plus quelque chose à faire de l'e-sport que nous. Mais alors pourquoi, bon sang, est-ce que ça fait 20 ans qu'ils nous massacrent sur à peu près tous les titres? Comme à chaque fois qu'une nation est forte dans une discipline, je pense que c'est un mélange de raisons culturelles et de raisons structurelles. Et quand je dis culturelles, encore une fois, c'est pas culturel genre « oh, eux, ils kiffent les jeux vidéo et pas nous », plutôt culturel genre « ils ont pas la même éthique de travail que nous ». Commençons par parler de l'extrême compétitivité qui existe au cœur de la société coréenne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la Corée a été libérée de l'occupation japonaise, certaines familles coréennes ont récupéré les usines et les outils que des entreprises japonaises avaient laissés là. Quand la guerre de Corée a pris fin, 15 ans plus tard, ces familles qui avaient récupéré ce matériel étaient devenues les principaux industriels de Corée. Ce qui voulait pas dire grand chose à l'époque parce que le pays était ravagé par la guerre et plongé dans la plus complète pauvreté, mais c'était un début. À ce moment-là, le gouvernement coréen, qui avait quand même promis la prospérité à son peuple, et les Américains et tous leurs alliés de l'Ouest, qui étaient quand même décidés à montrer à quel point c'est bien pour l'économie d'un pays de rejoindre le bloc de l'Ouest et pas celui de l'Est, se sont tous mis d'accord pour rendre ces familles d'industriels très très riches, et d'espérer que derrière, elles vont entraîner l'économie coréenne sur leurs épaules. Donc on a donné à ces familles absolument tout pour réussir, elles sont extrêmement peu taxées, à chaque fois qu'elles ont besoin d'emprunter de l'argent, on leur prête à des taux ultra avantageux, et pas que auprès du gouvernement coréen, aussi auprès du gouvernement américain ou de banques américaines. À chaque fois qu'elles ont besoin de se lancer dans une nouvelle industrie et qu'elles ont besoin de plans pour leurs usines, ces plans sont partagés par des boîtes américaines ou par des boîtes japonaises, parce qu'entre-temps le Japon est devenu un allié de l'Ouest. Le droit du travail est gardé au strict, strict minimum social pour qu'elles puissent demander absolument ce qu'elles veulent à leurs employés. D'ailleurs, pendant très longtemps, la main-d'œuvre pas chère va rester une des grandes forces économiques de la Corée du Sud.
Et elles sont très souvent en monopole dans leur secteur, tout simplement parce que le gouvernement a donné de licence pour être dans ce secteur à personne d'autre. Le but de la manœuvre, c'est pas de créer un marché libre et de la concurrence. Le but, c'est que dans chaque secteur, on fasse grossir un monstre le plus vite possible qui rassemble toute la puissance de la main-d'œuvre coréenne pour qu'ils puissent le plus vite possible commencer à vendre des trucs au monde entier. Parce que la Corée du Sud, elle a compris dès le début qu'elle a pas de ressources naturelles, que son marché interne il est super pauvre et que si elle veut se faire de l'argent, il va falloir qu'elle assemble des objets et qu'elle les vende au monde entier. Elle va se lancer dans une économie. La problématique qu'on retrouve aussi au Japon. Ça marche à la perfection. Ces entreprises vont devenir des conglomérats gigantesques qu'on appelle aujourd'hui encore des chaebol. Et c'est eux qui, à partir des années 60, mettent sur pied la machine à export coréenne. Et avec l'argent généré par cette machine, ils construisent toutes les infrastructures du pays, ils construisent les usines du pays, ils construisent les routes, le réseau électrique, les transports. Et c'est eux qui font sortir du sol tous les incroyables buildings et gratte-ciels ultra modernes dans Séoul. Et c'est pour ça que parmi les gens respectables qui ne passent pas leur vie sur League of Legends, la Corée est surtout connue pour être le pays qui est devenu riche en une seule génération. C'est pas une exagération, hein, de tiers-monde à standard de vie occidentaux, en 30 à tout casser 40 ans. Et tout ça avec les chaebol comme locomotive. Certains chaebol sont devenus suffisamment gros pour être présents à l'international. Et donc, vous en connaissez Hyundai, Kia, LG et bien évidemment, le plus gros de Samsung, tous les chaebol, Samsung. D'ailleurs, si vous regardez beaucoup d'e-sport, la grande majorité des sponsors des grosses équipes sont également des chaebol. C'est le cas de SK, c'est le cas de KT, c'est le cas de Hanwha. Le succès des chaebol, aussi incroyablement bénéfique qu'il a été pour la société coréenne, nous laisse quand même avec quelques petits problèmes, et le premier d'entre eux, c'est que tout le monde veut bosser pour eux. Vous allez me dire, c'est pas un problème, vu la taille de ces conglomérats, ils doivent faire bosser les trois quarts du pays. Bah non, c'est archi pas le cas, les chaebol ont appris à devenir très très efficaces et à tourner avec très 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 peu de gens. Regardez-moi ce graphe, en 2019, les 64 plus gros conglomérats du pays ont produit 84% du PIB de la Corée en utilisant 10% de la masse salariale. Oh putain, ah oui. Déjà parce que c'est infiniment plus prestigieux. Des noms comme Samsung ou LG sont c'est associés efficace à la réussite économique de la Corée dans l'imaginaire collectif et font indéniablement, encore aujourd'hui, le ça rayonnement du pays peu, à l'international. Et puis, de façon encore plus profonde, comme beaucoup de sociétés en Asie, la société coréenne est bénie de philosophie confucéenne. Attendez là. Philosophie confucéenne, l'un des... Attendez là, le temps a passé là. Le temps a passé là, il s'est passé un truc là. Le principal devoir des enfants, c'est d'honorer les parents. De les honorer en les rendant fiers, de réussir leurs études, d'obtenir un job qui va obtenir l'approbation de la famille et ses parents qui ont assisté à la transformation de la Corée opérée par les chaebol, à votre avis... Pas que la Corée qui s'est transformée là. Aussi parce que la paye est sans commune mesure. D'après la boîte de consulting McKinsey, il y a quelques années, les petites et moyennes entreprises payent 60% de ce que paye un chaebol pour le même poste. Et puis parce que la sécurité de l'emploi est vraiment pas la même, les petites et moyennes entreprises en Corée, souvent elles échouent, souvent elles ont des problèmes parce qu'elles essayent de s'implanter dans des marchés qui sont dominés de façon écrasante par les chaebol. Et c'est pas juste parce que c'est dur dans un business de se lancer dans un marché qui est très très centralisé, c'est aussi parce que les chaebol n'hésitent pas de façon assez régulière à faire de la concurrence déloyale et à écraser les startups qui essayent de leur grignoter des parts de marché. Donc le prestige, la sécurité, l'argent, tout ce qui est associé à cette idée de réussite passe soit par quelques rares jobs dans le gouvernement, mais surtout par les grands groupes, par les chaebol. Comment intégrer ces grands groupes? On a déjà vu qu'ils recrutaient pas beaucoup, et ils recrutent quasiment exclusivement au sein des trois universités d'élite du pays. L'université nationale de Séoul, l'université Yonsei et l'université de Corée. Vous voulez avoir un job prestigieux, vous êtes quasiment obligé d'avoir un diplôme d'une de ces trois-là. Comment est-ce qu'on y entre? Il faut passer l'examen de fin du lycée, l'équivalent du bac chez nous, et être dans le top 1% des résultats du pays. C'est tout. Chez nous, le bac est pas si important que ça, parce qu'on est surtout recruté sur dossier. Au moment où on le passe, on sait déjà, d'habitude, si on a l'école ou l'université de nos rêves. En Corée, non. En Corée, tes 20 prochaines années de carrière sont déterminées en un jour, lors d'un examen qui dure 8 heures. Et la société coréenne est tellement consciente de cet état de fait, elle sait à quel point cette journée est importante pour les jeunes étudiants, ouais, que le jour du bac à Séoul, la ville s'arrête. Les avions n'ont pas le droit de passer au-dessus de certaines zones pour pas faire de bruit. Les bureaux ouvrent plus tard pour qu'il n'y ait pas trop de gens dans les transports, que ça crée pas de problème et qu'il n'y ait pas de retard. Si un étudiant, pour n'importe quelle raison, pense qu'il va être en retard à son examen, il a le droit d'appeler la police et les flics vont débarquer pour l'emmener à son lycée. The fuck? Bienvenue dans une société bâtie tout entière autour de la compétition. Toutes les sociétés le sont en vrai, mais dans celle-là, au moins, c'est très très évident. À la seconde où un enfant met un pied au collège, il est immédiatement en compétition avec tous les enfants de son âge pour les 7 prochaines années. Et ouais, si t'es en 4e, tu viens de passer un DST de maths tout bête et que tu n'as pas eu la meilleure note dans ta classe, tu te dis en Corée, si ça avait été 3 ans plus tard à l'examen final, c'est foutu. Je ne suis pas dans les 1%, je ne suis pas dans l'université d'élite. Je n'aurais pas. T'es fucked up du cerveau quand tu penses comme ça tout le temps. Tout ce que la plupart des foyers en Corée considèrent comme la réussite vient de se barrer par la fenêtre, c'est foutu.
Quel genre de culture de travail est-ce qu'il faut pour survivre dans une société pareille? Eh bah, un étudiant normal, en Corée, à partir du collège, va au collège ou au lycée jusqu'à 18-19h, puis il va en cours particulier, que pratiquement toutes les familles du pays payent, jusqu'à 11h du soir, puis ils rentrent chez eux, puis ils font leurs devoirs, et ils vont se coucher bien après minuit, et ils recommencent le lendemain matin. Et c'est pas les quelques enfants particulièrement ambitieux qui veulent devenir premier ministre qui font ça, tout le monde le fait, ouais. C'est la norme. Putain. Tout le monde le fait, c'est la norme, parce que le résultat de cette règle impitoyable du « on ne prend que les 1% à l'examen dans les universités d'élite qui distribuent toutes les vraies opportunités », c'est que trop travailler, ça n'existe pas. Peut-être que je viens de travailler pendant 14 heures, peut-être que je suis écrasé de fatigue et que j'ai mal vu de prendre des pauses. Si mon voisin à côté, il bosse une heure de plus, le jour de l'examen, il aura peut-être ma place à l'université de Séoul. Et ça fait écho à tous ces témoignages de joueurs professionnels qui se sont retrouvés désespérés avec les pieds coréens, et après une journée de practice déjà plutôt dure, quand même le coach dit « c'est bon les gars, reposez-vous », leur équipier coréen qui continue à jouer jusqu'à très très tard la nuit. Encore une fois, pas parce qu'il est particulièrement fasciné par League of Legends, juste parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à travailler. Ouais. Quelque part c'est logique qu'on produit des individus particulièrement aptes à être des compétiteurs quand ils ont grandi dans une société qui leur rappelle à chaque instant que la vie est une compétition. Et là aussi notez que la vie est tout autant une compétition chez nous, mais nous on n'aime pas se le dire, c'est stressant. Et donc plein de gens grandissent chez nous sans être d'un naturel compétitif. En Corée c'est dur d'y échapper. Après il y a plein d'endroits sur cette terre avec une grosse culture de compétition et tous ces endroits ne sont pas connus comme étant la nation de l'e-sport. Donc tous les éléments culturels dont on vient de parler fonctionnent si on les mixe avec la deuxième partie du puzzle, les éléments structurels. C'est super bien foutu son... L'implosion économique son de la Corée, qu'on appelle le miracle sur la rivière Han, d'ailleurs, du nom de la rivière qui traverse Séoul, c'est surtout fait sur les industries lourdes. À la Namsan Tower. Partie de leur existence. Elle est là où ? Encore aujourd'hui, les Chaebol, ils font de l'acier, ils font du pétrochimique, ils font des navires, ils font de l'automobile, à une époque où l'automobile c'était encore à 100% de la mécanique et pas à moitié de l'électronique. Mais assez tôt quand même, l'idée commence à germer dans l'esprit des élites du pays que ce serait pas idiot de faire de l'électronique. Et ce pour plusieurs raisons. En 67, donc il y a un moment quand même, Park Chung-hee, qui était président de la Corée du Sud, et dictateur militaire, se dit en passant, la Corée du Sud est devenue une démocratie vraiment très très tard. Il a reçu la visite du représentant d'une entreprise américaine, Motorola, qui était venu lui demander le droit d'acheter une usine dans le pays. Et le représentant lui a dit, écoute frérot, tu pourrais récolter du coton et stocker ta cargaison sur un train, jusqu'à ce que le train soit plein à craquer, et dans le meilleur des cas, t'obtiendras quelques centaines de milliers de dollars pour toute la cargaison. Ou alors, tu peux faire ça. Et il lui a mis un semi-conducteur dans les mains, il lui a dit, ce petit bout de plastique et de métal, ça pèse 2 grammes, et ça coûte entre 30 et 40 dollars. Et un sac entier de ces trucs, transportable par une seule personne, vaut des dizaines de milliers de dollars. Ça, le président l'a jamais oublié. Et... quand même relativement tôt, la Corée a commencé à se demander si elle pouvait pas faire une transition vers l'électronique, mais ça va prendre un temps fou. À côté de ça, ils vont voir que ça marche super bien pour le Japon. Quand les années 80 arrivent, c'est le Japon qui est à la pointe dans le marché de l'électronique, et c'est la première économie d'Asie qui s'est éveillée, la Corée est juste derrière eux, pourquoi pas tout simplement les imiter, ça marche tellement bien pour eux. Puis il y a une troisième raison, qui est fondamentalement la plus importante, c'est que le Japon et la Corée ne sont pas les seules économies d'Asie en train de s'éveiller. Les dragons asiatiques dont fait partie la Corée vont être suivis par les tigres et il y a de plus en plus de concurrents. Et les produits que la Corée exporte sont pas si durs que ça à imiter, c'est pas si dur d'entrer dans les industries lourdes. La Thaïlande se met à faire de l'acier, Singapour se met à faire des navires et du pétrochimique. Et plus il y a de concurrents, moins les exportateurs coréens ils sont compétitifs. Puis il y a un autre concurrent qui pointe le bout de son nez et qui est extrêmement inquiétant, c'est la Chine. Maintenant qu'on est dans les années 80, elle en a fini avec sa politique d'isolationnisme. Elle s'ouvre au reste du monde et il n'y a qu'à voir la courbe de la valeur du yuan par rapport au dollar pour réaliser qu'elle veut vendre des trucs à la planète entière. D'un yuan maintenu artificiellement très très fort par rapport au dollar au début des années 80 pour faciliter les imports et moderniser le pays, à un yuan dévalué, très très lourdement dévalué au début des années 90 pour faciliter les exports. Cette courbe est l'une des principales raisons pour laquelle il va y avoir des objets made in China dans toutes les boutiques du monde pendant les 15 années qui vont suivre. Et évidemment, la Chine concurrence la Corée sur toutes les industries lourdes. Vous voyez pourquoi c'est bien d'avoir une monnaie faible pour exporter des trucs ? Imaginons que je suis un fabricant d'acier, je vis en Corée, et voilà, il y a des entreprises de la terre entière qui viennent pour m'acheter mon acier. Évidemment, je veux me faire payer en won. Je vis en Corée, je paye mes employés en won, j'achète mon pain en won, je paye mon loyer en won, j'en ai rien à carrer des dollars. Si tu veux m'acheter ma cargaison, tu vas d'abord devoir convertir ta monnaie, peu importe laquelle, dans la mienne. C'est normal. Et j'ai un rival, il est en Chine et il produit de l'acier chinois. Et pour l'instant, nos prix, c'est les mêmes. Il faudrait convertir autant de dollars en won pour ma cargaison et en yuan pour la sienne.
Et puis un beau jour, le gouvernement chinois se met à imprimer des quantités phénoménales de yuan. Et avec tout cet argent, il achète des dollars. Et donc sur le marché du dollar par rapport au yuan, comme il y a quelqu'un qui est en train de vendre des quantités phénoménales de yuan, la valeur du yuan commence à se casser la figure. Mon concurrent, sa cargaison à la base, elle valait 10 000 yuan. Et le prix de la vie, il n'a pas particulièrement changé chez lui. Il en demande toujours 10 000 yuan. Sauf que d'un coup, il faut convertir beaucoup moins de dollars pour avoir 10 000 yuan. Ouais. Donc il a rien fait, j'ai rien fait. C'est complètement en dehors de notre contrôle, mais d'un coup, c'est 3 fois moins cher chez mes concurrents. Pourquoi est-ce que la Corée pourrait pas juste faire pareil et dévaluer le won par rapport au dollar? Bah pour plein de raisons. Déjà, ça marche dans les deux sens. Si tu dévalues, ta monnaie, elle vaut plus rien à l'étranger. Et tes citoyens, ils sont pas contents parce qu'ils peuvent plus utiliser leur won pour acheter tout un tas d'objets stylés qui ont été fabriqués dans le reste du monde. Donc c'est la déprime. Puis, c'est aussi juste plus compliqué parce qu'à ce moment-là, le won est en train de prendre de la valeur parce qu'il y a une bulle qui est en train de se former en Corée et dans tout un tas de pays d'Asie du Sud-Est. On est au début des années 90, et à ce moment-là, le monde est en train de se dire « Oh là là, l'Asie, ouais, c'est insane !» Explique bien, mais là, c'est le béaba des changements de valeur monétaire. Donc, je vois des gens qui sont en mode « Bac plus stress économique !» c'est la base. Ça on étudie ça au lycée, normalement, il me semble. C'est la base, les amis. Mais en tout cas, c'est super bien amené par rapport à la justification de pourquoi la Corée est comme ça aujourd'hui. C'est vachement intéressant. Pour le coup, j'étais pas au courant du pourquoi, du comment la Corée est devenue comme ça aujourd'hui, c'est super intéressant. Il faut acheter des parts de sociétés coréennes parce qu'elles vont créer les trucs du futur. Il faut construire des parts. Après, j'ai fait ES. Corée parce que c'est le pays du futur. En ES, en tout cas, tu l'apprends. Habiter là-bas. Le fait que les taux d'intérêt en dollars aux États-Unis soient absolument au ras des pâquerettes encourage aussi tout un tas de gens à garder leurs assets dans d'autres monnaies qui sont plus intéressantes. Ah oui, en S et en L, non. Thaïlandais, mais... ou le won coréen. Ouais, j'ai pas entendu. Assets aux États-Unis soient absolument au ras des pâquerettes. Encourage aussi tout un tas de gens à garder leurs assets dans d'autres monnaies qui sont plus intéressantes comme le baht thaïlandais ou le won coréen. Puis au bout d'un moment, c'est l'éclatement de la bulle. Un beau jour, les gens se disent probablement que cette société, elle génère pas suffisamment chaque année pour que ses parts, elles valent aussi cher. Et probablement que tous ces immeubles qu'on a fait construire, ils vont rester vides parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui rêvent de vivre en Corée. Et là tout le monde commence à sortir ses pions de la table avant que tout le monde s'en rende compte et que ce soit trop la sauce. En plus, les taux d'intérêt étaient remontés aux États-Unis, donc c'était une raison supplémentaire de se barrer. Tout le monde commence à vendre des won pour récupérer des dollars ou n'importe quelle autre monnaie. Donc le won commence à perdre énormément de valeur par rapport aux autres monnaies. La banque centrale coréenne, qui a garanti que le won allait rester stable par rapport au dollar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à acheter des won. Elle achète énormément de won pour essayer de le rendre plus rare et donc de rebooster sa valeur vers le haut. Elle achète avec quoi? Avec des dollars qu'elle a dans ses réserves. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a tellement de gens qui essayent de se barrer de l'économie coréenne en même temps que même la banque centrale, elle peut pas compenser ça? Bah, contrairement au won, les dollars, elle peut pas en imprimer à l'infini. Un beau jour, elle déboule en disant « Salut, j'ai plus un seul dollar. Je ne peux plus booster artificiellement la valeur du won. Donc à partir d'aujourd'hui, il va flotter librement. Et comme n'importe quoi d'autre, sa valeur va changer en fonction de l'offre et de la demande. Ce jour-là, la valeur du won se turbo, fracasse la figure. Et ça veut dire que toutes les entreprises et toutes les banques coréennes qui fonctionnent en won mais qui sont endettées en dollars, bah, c'est la fin des haricots. Supposons que vous avez 20 millions de dollars en dette, vous comptez parfaitement les rembourser, vous fonctionnez en won. Sauf que vous allez vous coucher un soir, à ce moment-là il faut 100 won pour avoir 1 dollar, vous vous réveillez le lendemain matin, il faut 200 won pour avoir 1 dollar. Vous voyez à quel point c'est rapidement la sauce. Donc oui, les entreprises virent des gens pour essayer de limiter leurs coûts. Quand il y a juste des coûts qui sont trop élevés, c'est banqueroute et tout le monde se retrouve au chômage. C'est vraiment la classique crise. C'est pour ça très important, dès que je négocie une OP, on ne me paye pas en dollars. C'est en euros, merci, pas en dollars, s'il vous plaît, c'est mieux. Récession qui suit un éclatement de bulle. C'est mieux, sinon c'est moins en dollars. C'est beau. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Asie à la fin des années 90, ça s'appelle la crise asiatique de 97. À ce moment-là, la Corée, elle s'est dit « Ok, ça fait longtemps qu'on réfléchit à l'électronique, on s'y est déjà un peu mis, sauf que là, l'économie du pays, elle est en petits morceaux par terre. On a besoin que… » Mais ça, c'est… Hanan, c'est le village, c'est vraiment la partie du village qui fait vraiment village traditionnel dans le cœur de Séoul. C'est trop joli. C'est Han, il y a un Han, je crois. Je sais plus. C'est quoi le nom? Je suis sûr dans le chat, vous connaissez. Il y en a qui connaissent. Hanoé? Hanoé? Ça commence par Han, j'en suis quasi sûr. C'est trop trop joli. Super joli. Han Solo, vous cassez les couilles. Ok, bon, vas-y. j'ai perdu le nom. Mais c'est vraiment super mignon. J'avais fait ça sur un de mes derniers jours en Corée.
je vous recommande d'aller checker. Par contre, truc marrant, il y avait plein de banderoles en mode cassez-vous les touristes. Parce qu'en fait, apparemment, il y avait des groupes de touristes qui foutaient la merde et qui faisaient trop de bruit parce que les gens habitent là, en fait. C'est Hanok, je crois, oui, je crois que c'est Hanok. Les gens habitent là, en fait. C'est pas un village témoin, c'est genre les gens habitent là. Et en fait, vu que c'est hyper touristique parce que c'est hyper mignon, les gens en avaient ras le cul. Et du coup, il y avait plein de banderoles de gens qui se plaignaient et qui demandaient de banderoles qui exprimaient que cassez-vous les touristes, en fait. Genre, on a envie d'être peinard, en fait. On est chez nous, en fait. Arrêtez de toquer aux portes, faire du bruit la nuit, des trucs comme ça, quoi. Donc, ça pose vraiment un problème, le fait que ce soit aussi mignon dans la ville de Séoul. Le football redevienne compétitif et on en a besoin hier. Qu'est-ce qu'on a que nos voisins n'ont pas? Là où on a de la chance, c'est qu'on est devenu très très riche les 30 dernières années. On a une population hautement éduquée qui peut faire de la recherche, du développement et assumer des industries très complexes. C'est maintenant ou jamais, on va transitionner lourdement vers l'électronique. C'est ce genre de décision. Entre autres, qui fait qu'aujourd'hui Samsung distribue des smartphones partout sur Terre. Quand tout un tas de gros chaebol se mettent en même temps sur l'électronique, soudain, c'est possible d'obtenir des ordi de bonne qualité pour pas cher dans le pays. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a Internet. Les chaebol se mettent sur l'infrastructure Internet du pays. Et comme ils sont pleins à se retrouver en même temps sur le même créneau, pour avoir les contrats avec les localités, il faut être compétitif. Et ils vont proposer de très très bonnes couvertures. C'est pour ça, c'est Hanok Village. Internet en Corée est incroyable. C'est pas le cas partout. Il y a des endroits paumés dans la campagne où il n'y a rien du tout. Mais c'est un pays où la population est super centralisée. C'est un pays avec une histoire industrielle, donc la grande majorité de la population se retrouve soit au nord-ouest du côté de Séoul, soit au sud-est du côté de Busan, c'est là où il y a la plupart des usines du pays. Et c'est des zones qui sont si denses qu'il suffit de très très bien fibrer quelques endroits stratégiques pour apporter un internet incroyable à un large pan de la population. Ordinateur pas cher plus excellente connexion internet égale on ouvre des cybercafés. Il n'y en avait pas un seul dans le pays au début des années 90, soudain en 97, il en sort partout. La moitié des businessmen du pays se disent « Oh !» Une chaîne de cybercafé, ça c'est l'idée du siècle. Comme ils ont tous l'idée en même temps, pareil, il faut être très compétitif et ça tente de se démarquer avec des sièges ultra confortables, de larges bibliothèques de jeux, de la nourriture à volonté, peut-être des activités... Dégueulasse son bureau à celui-là là. Des PC Bang, qui sont considérés à raison encore aujourd'hui comme les meilleurs cybercafés du monde. Ça tente aussi de se démarquer d'un PC Bang à l'autre en cassant les prix. En réalité, c'est super. C'est vrai que comparé à tout ce que j'ai pu voir en France, le PC Bang où on était allé à Séoul... Les sièges, mon gars, les sièges, on s'asseyait dedans, on voulait pas sortir. T'es trop bien. Genre, ils avaient des sièges incroyables. Et en plus, il y avait un petit coin resto où tu commandais de la street food coréenne. C'était trop bon. Genre, quand t'es là-bas, en effet, hein, c'est fait pour que tu restes. Hein. C'est fait pour que tu restes. Hein. Clairement, clairement. On avait été trop bien reçus en plus. Vraiment trop sympa l'ambiance. Très, très cool. Abordable. Qui est-ce que ça pourrait intéresser? Ça pourrait particulièrement intéresser le lycéen qui vient de sortir des cours à 18h, qui est censé aller en cours particulier et bosser jusqu'à 11h, mais il en peut plus, il est fatigué. En plus, ses parents, le matin même, lui ont donné l'argent pour les cours du soir. Il pourrait utiliser cet argent pour passer 2 ou 3 heures dans un PC Bang. C'est un endroit où ils auront la paix pendant quelques heures, ce qui peut être très important pour un ado en Corée parce que culturellement, ils sont pas censés avoir beaucoup de temps pour eux. T'es censé être avec le même groupe d'amis toute la journée à l'école, journée qui dure 15 heures, puis avec ta famille le soir. Pas vraiment prévu pour que les ados aient beaucoup d'heures de solitude juste pour eux. Et du coup, c'est assez symptomatique peut-être du ras-le-bol des jeunes en Corée par rapport à ce système full scolaire compétitif, le fait qu'il y en ait, que les PC Bang aient eu autant de succès. Genre, que ça ait autant marché, ça venait complètement en contraste avec cette culture de bosser non-stop constamment et d'être le meilleur en cours parce que clairement, si t'allais là-dedans, c'était pas pour être le meilleur en cours, hein, clairement. Ouais, c'est intéressant. Un endroit où ils vont pouvoir se reposer. Mais par contre, ils gardaient cet esprit. Ils ont été élevés dans ce moule compétitif. Donc forcément, dès qu'ils prenaient le jeu au sérieux, ils devenaient hyper compétitifs. Et les réflexes appris à l'école revenaient, quoi. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Le surmenage et la pression font des ravages. Chez les jeunes, le suicide est la cause de mortalité numéro 1 chez les moins de 40 ans en Corée. Putain. Donc ce PC Bang, c'est un oasis au milieu du désert. PC방에 들어서는 순간은 마치 사막에서 오아시스를 발견하는 기분이에요. 거기선 뭘 먹어도 더 맛있고. C'est le divertissement le plus accessible. Ah bah putain, je suis mort. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit, je suis mort. Le balgonan은 기분이에요. La nourriture qu'ils vendent est meilleure et les chaises sont plus confortables. De quoi j'ai parlé quand j'ai dit que c'était trop bien? J'ai dit que les chaises étaient incroyables et qu'il y avait de la street food vachement bonne. Ça me fume. Genre, vraiment, c'est les deux seuls arguments.
Et vraiment, en vrai, c'est trop con, tu vois, mais ça fait tout. T'es trop bien assis, tu manges bien, et t'as un jeu, et t'es avec tes potes. Genre, c'est super, quoi, c'est trop bien. C'est le divertissement le plus accessible et le plus attirant sur lequel on puisse tomber dans un monde qui considère qu'un ado, ça doit faire que bosser jusqu'à 18 ans. Et parmi tous ces jeunes, qui sont pas particulièrement doués en jeux vidéo si on prend l'ensemble et qu'on fait une moyenne, bah y en a quelques-uns qui ont vraiment du talent. Peut-être qu'ils vont grimper le ladder, peut-être qu'ils vont se faire repérer par des équipes, peut-être qu'ils seront recrutés et qu'un jour ils seront sur une scène e-sport. Et ce jour-là, quand ils nous affronteront, nous, les équipes des autres pays, bah certes, à un moment ils ont craqué, certes ils ont pas choisi la voie de l'excellence universitaire, mais ça change rien, ils ont grandi dans une culture qui leur a donné toutes les armes pour devenir des compétiteurs terribles. Bah oui. Quand ils nous affrontent, nous, certes, nos joueurs, ils ont vraiment envie de gagner, certes, ils ont envie d'être des stars, et certes, ils ont le cœur brisé quand ils perdent des compétitions, mais je pense pas que ça donne le genre de préparation que tu peux avoir quand, dès tes 11 ans, on t'a inculqué que bosser 15 heures par jour, c'est la norme, et que si tu n'es pas meilleur que tout le monde autour de toi, tu as tout raté. Et soudain, c'est bon, nos éléments culturels et structurels s'emboîtent, il n'y a pas de pays imaginaire dans lequel le jeu vidéo serait un sport national, il y a une culture surcompétitive qui met une pression phénoménale sur les épaules de leurs jeunes. Quand ces jeunes craquent, immanquablement, ils se font récupérer par des PC banks qui sont à chaque coin de rue parce que le monde a fait n'importe quoi avec l'économie des pays d'Asie à la fin des années 90. Et ces PC banks filtrent cette manne de joueurs coréens pour sortir les plus grands talents. Et ces plus grands talents, quand ils vont sur la scène e-sport, ils emmènent avec eux cette culture de je dois, même pas je veux, je dois être le meilleur. Putain, incroyable cette vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a des simplifications. Mic drop, quoi. Il a tout dit. Bien, qu'un truc de la taille d'une société ne part pas dans une direction ou dans une autre sur une ou deux décisions, mais fallait que ça tienne en, je sais pas, 20-25 minutes. Si vous pensez qu'il y a des trucs importants dans la culture coréenne qui expliquent leur performance en e-sport et dont j'ai pas parlé, je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. Juste pas la KESPA. Je sais que j'ai pas parlé de la KESPA. C'est un organisme gouvernemental coréen qui très tôt a exigé une certaine professionnalisation des équipes, des gaming house, des coachs. Ils sont souvent cités comme exemple de pourquoi les Coréens sont si forts. Honnêtement, je pense pas que ce soit ça la réponse. Tout simplement parce que la plupart des recommandations de la KESPA, elles ont depuis été imitées partout sur Terre, et ça n'a pas changé grand-chose. C'est très bien pour la crédibilité de l'e-sport, mais c'est pas parce que t'as une gaming house que tu perfs à l'international, on l'a vu. Donc non, je pense pas que la KESPA soit la solution. Mais je serais aussi ravi d'en discuter avec vous. Voilà, c'était Review, vous avez regardé MGG, merci beaucoup, à la prochaine. Eh bien, très 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 bien. Franchement, excellent. J'avoue que cette vidéo, elle est édifiante sur... le pourquoi du comment la Corée dans les jeux vidéo, hyper bien, je l'ai linké dans le chat, super découverte, hein. Franchement, parce que quand j'ai vu la chaîne au début, je me suis dit très bien, mais tain, c'est dommage, il a pas fait énormément de vidéos, et du coup de voir que bah, il continue chez MGG maintenant, j'espère qu'il le paye bien, j'espère qu'il le paye balle bien, parce que putain il fait du super bon taf, hein. Meilleur que énormément de youtubeurs que je connais, hein. Le mec, il est dans le haut du panier. Hein. Parce que c'est bien écrit. Il sait de quoi il parle. Là, tu le sens que le gars, il a un bagage économique. Ça se sent. Il a une bonne diction. Le montage, il est nickel. Genre, pas trop de mimes dans tous les sens qui te distraient. Pas trop. C'est assez sérieux. Certains pourraient peut-être trouver ça trop austère. Moi, je trouve ça nickel. Moi, c'est parce que ça donne l'info qu'il me faut. C'est marrant, notamment le passage sur l'aspect économique, géographique qu'il a eu dans cette vidéo, ça m'a rappelé Real Life Lore, la chaîne américaine que j'aime beaucoup regarder, qui explique des tas de situations que je cite assez souvent en stream. Real Life Lore, c'est excellent comme chaîne. Mais là, le mec, en vrai, franchement, hein, s'il avait un peu plus genre de motion design... Genre, tu sais, pour des graphes, pour mettre en image ce dont il parle, ce serait encore plus ouf. Je pense qu'il a encore une marge de progression sur le motion design, sur l'habillage, mais sur le rythme du montage, c'est nickel, c'est parfait, ça habille trop bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup, hein. C'est excellent. Il en a fait beaucoup pour JV.com avant MGG, ça s'appelait la Gazette de l'e-sport. Ok. Il y a des petits traits d'humour, ouais, et puis des fois, tu sens qu'il part off-script pour parler un petit peu. Je vois bien, je faisais ça un petit peu de temps en temps quand je faisais de la vidéo de ce style sur du gaming. Mais c'est vraiment bien. Vraiment excellent. Excellent. Il est resté chez Webedia, il a juste changé de site. Ouais. Mais j'espère qu'il est bien payé. Hein. Vraiment, hein, parce que putain, il est très très fort. Très 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 fort. Franchement, belle découverte. The Great Review.
Je vais le follow sur Twitter même, vous savez quoi? Parce que c'est du très très bon travail. Et c'est pas souvent que je découvre une chaîne YouTube où je me dis putain, c'est vraiment du super bon boulot, ça correspond parfaitement à mon style. J'aime beaucoup. Une nuance quand même, LOL est devenu monstrueusement populaire en Corée aujourd'hui. Je dirais pas plus que le foot, mais pas loin maintenant. Oui, après sa vidéo... Bah sa vidéo, elle a un an, à peu près. Elle a trois mois. Elle a 3 mois, sa vidéo. Elle est assez récente. Mon rêve de savoir écrire comme ça, perso. Ouais, il a une belle plume, pour le coup. C'est très bien écrit. Et là, il amène bien sa narration. Genre, il te déroule bien l'histoire. Tu comprends bien. T'as pas besoin de faire des pauses pour revenir. Sinon, c'est... Non, GG, hein. Très fort. Très très fort. Il enfonce des portes ouvertes, il n'y a pas énormément de recherches non plus, c'est concis mais ça s'arrête là. Honnêtement, sur tous les sujets qu'on a regardés ce soir, non, je trouve pas qu'il enfonce des portes ouvertes. Je vois pas. En fait, pour moi, enfoncer une porte ouverte, c'est quand tu... Enfin, non, c'est pas la bonne expression là, enfoncer une porte ouverte. Non, là juste, il présente les faits bien. Juste, il présente les faits bien, c'est bien amené, c'est bien narré. Il fait ses recherches, si, il fait ses recherches. Tu peux pas dire qu'il fait pas ses recherches. Comment ça, il fait pas ses recherches? Si, si, il fait ses recherches. Ça se voit dans tous les sujets qu'il traite, à chaque fois, le gars, il a quand même il a un bon boulot de sourcing derrière. Sa vidéo sur la conspiration de Kojima est incroyable. On regardera une autre fois. Faut que vous alliez les voir, vous aussi, les vidéos, quand même. MGG a ouvert sa chaîne Twitch il y a même pas 2 semaines, d'ailleurs, et review lit un bouquin une fois par semaine. Je crois, en ce moment, pendant 2 heures sur les travers de certains projets de jeux vidéo. Ah ouais ? C'est marrant. Ok, ok. La course qui passionne les joueurs de World of Warcraft. Ouais, on l'a vu ça tout à l'heure. On en a vu pas mal, hein. On a fait un petit peu de React. Putain, au final, ça a été un peu du React, là. Hein. L'après GTFO ce soir. On était parti pour juste regarder une vidéo, la vidéo sur Otsdarva de Great Review. Et on est parti sur... on a enchaîné avec toutes ces vidéos. Ça prouve bien que c'est du bon matos. On a sauvé le monde avec le React, bien sûr. Non, mais c'était très sympa, en tout cas. Et j'ai apprécié parce que ça a permis de discuter de certains sujets un peu en profondeur avec vous. Notamment par rapport au sujet du stream snipe où j'ai un peu pu échanger avec vous là-dessus. C'était cool. C'était vraiment sympa. Mais là, il est 2h25, les amis. Je vais aller me coucher. Demain, je suis pas en live. Enfin, ce samedi, aujourd'hui, je suis pas en live. Je vous retrouverai dimanche après-midi pour la peinture et la discussion. Voilà, on pourra rééchanger sur plein de sujets aussi. Et Dark Souls, la suite, dimanche soir. Voilà. Ce sera juste après. Merci, tu m'as fait redécouvrir le JDR grâce à TableQuest. J'ai fait pas mal de sessions online sur Discord et j'ai réussi à convaincre mes potes d'y jouer. Et donc, ma première session en tant que MJ ce dimanche, j'ai trop hâte. Let's go. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir à lire. C'est fini, les cheveux courts. Ouais, les cheveux longs, ils vont rester. Ils vont rester, clairement. Je préfère comme ça. Eh bah du coup, les amis, bonne nuit. Merci les Jeux Sinfonica pour les 9 mois. Merci beaucoup. Sony Boy aussi pour les 16 mois. Yann pour les 19 mois. Je profite de ce 19e mois pour dire que je suis trop content de voir ta progression avec des soirées géniales, avec plein de gens cool. Et j'ai hâte de voir la suite. Merci à toi, Yann. Merci Heavy Bubble aussi. Et Ashab. Merci à vous, les potes. Je vous embrasse. Je vous dis du coup à dimanche. Portez-vous bien. Passez un bon samedi. Prenez soin de vous. Et on va raid qui? Qui est-ce qu'on va raid? On va raid. Oh bah tiens, il y a Gastronogeek qui est en just chatting à 2h25 du mat. Vendredi surprise. Ah ouais, eh ben let's go. Je vais vous emmener chez Gastronogeek. On avait passé un très bon moment avec lui dans son émission. Hop, petit raid chez Gastronogeek. Du coup, ben je vous embrasse. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. C'était fort sympathique. Et on se dit du coup à dimanche. 15h pour l'avoir après. On peindra. Je vais essayer de... Oh putain, j'avais dit que j'allais monter mon commander après le stream. Il est déjà 2h27. Peut-être faire ça demain plutôt. Bref, je vous laisse là les copains. Merci à tous. Des bisous. Et à dimanche à 20h. Bye bye. À 15h.